parti. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez faire un maximum de bruit. Attention, je vais silence. Et à 3, je vais être en tête. 1, 2, faites du bruit. Alors attention, Ali, maintenant c'est terrible. On va vous apprendre une chanson, tu l'as. Et cette chanson-là, elle va être très compliquée. Attention, on dit on a que 8 minutes. Alors, surtout. Oh là là. Ça y est, on va lâcher le truc. Bon, on va commencer avec 5 minutes de retard. Bah. Elle va pas lâcher le micro. Ah non, elle va pas lâcher le micro. Elle. Faudrait que je les envoie, ça par mail, à moins que tu t'en fiches. Ah bah non, je m'en fiche pas. Ouais. Bah après, je peux en prendre. Parce que je l'ai fait... Non, mais je l'ai fait jeudi et je pense pas te l'envoyer par mail pour que tu regardes un petit peu. Quoi. 5 minutes avant, c'est bien aussi. C'est où le. Oh là là. Allez, allez! Elle va détrôner José. J'ai plus de retour, ça par contre. J'ai plus. Bah, j'ai plus de voix, j'ai gueulé à. Ah. C'est bien, ça fait réducteur de bruit déjà, c'est déjà pas mal. Nous, on a de la chance, c'est vrai, avec nos casques. Ouais. Tu... C'est, Adrien, tu peux remettre un peu de retour sur moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais, 21, 22, 23, 24, 25. Bah, ça change pas. Au tout début, c'était bien. Parce que là, j'ai rien du tout. Parle voir, Janina. Oui, Sébastien, ça va? Ouais, plus fort, plus fort. Moi, je t'entends bien. Bah, pas moi. Ah, ok. Un, deux, trois. Ah, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup, c'est impeccable. Le volume est parfait. Est-ce que tu vois bien l'écran? Mais je crois que tu t'en fiches en plus. Je regarde pas, je suis désolée. Mais c'est incroyable, je le vois bien. Et à un moment donné, j'ai un truc, c'est magnifique. Alors, vas-y, fais-moi rêver. Tac, 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 il est où? Ah oui. Il y a eu certains commentaires sur le staff médical à 45 secondes. Tu vas voir, là. Le staff, sur le joker médical. Et j'ai mis un laissé. Sur nos réseaux sociaux via la page Facebook ou sur la chaîne YouTube ou par le site internet du club et ainsi que les téléspectateurs de la chaîne Vosges TV. Nous sommes au direct du Palais Omnisport Joseph Claudel de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour cette 5e journée de la première phase du championnat élite féminine qui verra s'affronter dans quelques minutes l'équipe des Louves de Saint-Dié-des-Vosges à l'équipe des Hermines du REC, le Rennes Étudiant Club. Depuis le début de la saison, j'ai le grand plaisir d'être accompagné pour commenter les rencontres et cela me donne le droit de m'infantuer. Vous la voyez à mes côtés, il s'agit de Janina. Bonsoir Janina, comment vas-tu? Bonsoir Sébastien, plaisir partagé, je vais très bien et je suis ravie d'assister à ce match Octobre Rose ce soir.
Très bien, je te remercie beaucoup. C'est un beau programme que nous allons vous proposer ce soir. Comme vous avez pu le constater sur nos différents réseaux sociaux et même à l'écran, le rose est à l'honneur ce soir. C'est la couleur prédominante de la salle, vous le verrez dans quelques instants lors du protocole. La rencontre qui va débuter dans quelques instants, c'est donc notre rendez-vous d'Octobre Rose. Et on vous réserve quelques surprises pour la fin de rencontre. Je te laisse un petit peu nous expliquer tout ça, Janina. Eh bien, à la fin de la rencontre, il y aura maintenant, j'ai envie de dire, notre classique vente des maillots roses, parce que c'est la troisième saison qu'on la réitère. Donc, il faut savoir que l'intégralité des fonds qui seront récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer en ce mois d'octobre rose. Et il y a une petite particularité ce soir, une surprise. Il y a deux artistes, dont un artiste vosgien connu, qui nous ont offert deux œuvres d'art. Donc, Mika et sa compagne Delphine Cossé. Et donc, ils nous ont gracieusement donné ces œuvres d'art afin qu'on puisse les vendre aussi ce soir et évidemment reverser la somme qui sera récoltée également à la Ligue contre le cancer. L'intégralité, ça fait quoi maintenant 3-4 ans qu'on le fait, hein, il me semble. Eh ben, j'ai dit 3, mais peut-être 4, tu as raison. Non, c'est bien. Quatrième saison, donc c'est un jeu de maillot qui nous a été réalisé exceptionnellement pour cette, cette soirée par notre équipementier que l'on salue à l'instar de Thierry M et de son entreprise céramique située à Gérardmer. Alors, nous allons revenir un petit peu au match de ce soir sur le terrain. Avec l'actualité de la semaine également, elle ne vous aura pas échappé si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. C'est l'annonce officielle donc, de la blessure de la capitaine de la meute, Julie Molinger, touchée au genou depuis quelques semaines. Elle s'est fait opérer hier avec grand succès, donc par une greffe des cartilages. J'ai échangé un petit peu ce matin avec elle. Elle va très bien. Tout s'est très bien passé. Les douleurs ne sont pas trop énormes. Elle a plus de mal à gérer avec les béquilles que la douleur. Donc on lui passe un petit coucou à Julie et on lui souhaite bon match parce que je suis sûr qu'elle nous regarde à l'instant. Vous avez été nombreux donc à témoigner votre soutien auprès de Julie. Je suis certain que cela lui va droit au cœur et nous vous donnerons très rapidement de ses nouvelles. Et je suis certain qu'on la retrouvera très rapidement. Il y a eu également des commentaires sur l'éventualité de la venue d'un joker médical pour la suite de la saison. Pour l'instant, laissons le staff faire son travail. Mais dès que nous aurons de plus amples informations, croyez-en bien que vous en serez les premiers informés. Un petit tour donc sur le match de la rencontre qui va débuter dans quelques instants avec le protocole. Donc le protocole est signé, est sifflé. Nous allons voir ce soir le match de Saint-Dié donc, qui est actuellement première du classement avec 11 points. 4 matchs, 4 victoires, carton plein des joueuses. Avec les deux derniers matchs, victoire 3-0 contre Allouin et une énorme perf la semaine dernière à Bordeaux. Et l'adversaire de ce soir, donc l'équipe du REC, est cinquième avec 6 points. Les deux derniers matchs ont été une défaite face à Bordeaux sur le score de 3-0. Mais elles ont gagné le week-end dernier à Clamart sur le score de 3-0. Le classement, vous le voyez à l'écran, avec complété par Évreux et Bordeaux. Nous allons attaquer donc le protocole dans quelques instants et on vous retrouve tout de suite après. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce match qui va opposer dans quelques minutes l'équipe des Louves de Saint-Dié à l'équipe des Hermines du Rennes Étudiant Club. Nous allons procéder à la présentation des équipes en commençant par l'équipe de Rennes. Merci d'applaudir bien fort la joueuse numéro 5 et capitaine Louise Narbonne. Libéro de cette équipe de Rennes, la numéro 9, Lénaïgue Lemoigne. Numéro 1, Zoriana Tomchik. Numéro 3, Constance Pla. Numéro 6, Sarah Lecrosnier. Numéro 8, Sol Piccolo. Numéro 10, Maria-Noël Rouba Pandeli. Numéro 11, Umaima Kodial. Numéro 12, Tracy André. Numéro 16, Marie Neveu. Et enfin, numéro 18, Adriana Dartuy. Entraîneur de l'équipe de REC, Yann Chubio. Et maintenant, j'attends un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe des Louves avec la capitaine, la joueuse numéro 10, Zoïla Larosa. Numéro 20 et libéraux, Laura Urios.
Numéro 2, Iva Davidovic. Numéro 4, Kristina Jordanska. Numéro 6, Yarimis Mendaro-Leva. Numéro 8, Gabriel Archambault. Numéro 11, Lisa Lecouls. Numéro 12, Niel Elgoul. Numéro 15, Lou Meyer. Et enfin, numéro 16, Maëlle Lefebvre. Entraîneur de cette équipe des Louves, Emmanuel Dumortier. Assisté ce soir par Kevin Caudal, Denis Merchez et Oussama Zmirli. Je vais vous présenter maintenant le corps arbitral qui va officier pour ce match. Venant de la Ligue Grand Est et officiera en tant que deuxième arbitre, monsieur Philippe Merck. Et en tant que premier arbitre, venant de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Garo Lorenzo. Voilà, vous venez d'assister donc au protocole. Dans quelques instants, le coup d'envoi va être donné. Les autres matchs donc de la journée de cette poule élite, Clamart reçoit Quimper, l'IFVB Toulouse accueille Allouin, et enfin duel au sommet, car c'est une rencontre qui va opposer le deuxième au troisième, Bordeaux se déplace à Évreux pour cette cinquième journée. Alors on voit cette image, encore un public venu très nombreux ce soir au Palais Omnisport, que ça soit la tribune VIP ou la tribune principale. Nous aurons dans quelques instants la possibilité de vous donner les effectifs, car c'est encore une fois un POJC très fourni pour cette rencontre. Alors en ce qui concerne le 6 de départ, je pense que Manu Dumortier va garder un petit peu la composition qui a fait des miracles la semaine dernière à Bordeaux, avec à la passe Zoïla Alarosa, avec en l'opposé et au poste de pointu la cubaine Yarimis Mendaro-Leva, la doublette de centrale Kristina Jordanska et Lisa Lecouls, que l'on voit à l'écran, remplacée par la libéro Laura Urios, et les deux réceptionneuses attaquantes avec les personnes de Niel Elgoul et de Iva Davidovic. Un 6 de départ également du côté de Rennes habituel. On voit la pointue Lisa Lecouls, la capitaine et passeuse Louise Narbonne. Essayez, le coup d'envoi est donné. Allez, ça part, c'est suivi. Oh, très belle défense là d'entrée de jeu par Laura Urios sur cette Corse. Nouvelle défense de la libéro. Allez, Niel. Ah, ça rejoue encore. Ouais. Oula, bah, le ton est donné dès le premier échange. Et c'est un point pour les Louves avec ce ballon touché au bloc sur cette attaque de Yarimis. Ah, le ton est donné. Hein. Les Louves ont un petit peu anticipé le gain de ce point, mais elles sont restées vigilantes avec Yarimis là, qui a bien suivi. Et ça fait 1-0. La capitaine Zoïla Alarosa au service. Alors, on va jouer poste 4. Très belle attaque ligne. Ouais. Alors on va voir si les ralentis de notre partenaire audiovisuel Prestatech événement va nous proposer les replays. Mais ouais, c'était une très belle attaque ligne là. Poste 1. Et on retrouve Marie-Noël Ruba Pandeli au service. Ouais, très belle récepte de Niel. On va chercher poste 2, Iva Davidovic, qui marque ce point. Voilà le ralenti
Ouais, elle passe entre les deux. La centrale adverse qui était un tout petit peu en retard. Et Iva qu'on retrouve au service. Elle est bonne. Elle est bonne. Fond de terrain. Très bien joué. Marie Neveu qui a assuré le coup. Ouais, malheureusement, faute directe de la part de Niel Elgoul. On va chercher un petit peu de passer au-dessus de la centrale qu'on voit à l'écran. Constance Plat avec son 1m87. Et puis la pointue Sol Piccolo avec son 1m85 va y avoir forte affaire au niveau de l'attaque des Loups pour passer à côté de ce bloc. Ouh, bien joué là. Bien joué parce que la balle est un peu intérieure. Pour ouais, un peu intérieure, elle a réussi à passer entre le contre Rennais. Avec sa main gauche. En la personne de Marie Neveu et Oumaïma Kodial. Et on garde l'avantage 4-2. Dans ce début de rencontre, le petit coup d'œil pour la zone de service de la part de Manu. Oh, bien servi. Ouais, touche la bande. Allez, on fait enchaîner. Ouais, bien suivi, Lisa. Bravo, Lisa. Bien suivi sur cette attaque en pipe. Quelle énergie. Alors, on va voir le ralenti. Ouais, elle avait pris l'option déjà d'aller poste 2, mais elle est revenue sur sa décision. Elle a réussi à contrer cette attaque de l'Uruguayenne de l'équipe du REC. Ouais. Joli point là sur cette attaque décalée au centre. Ouais. On avait cherché Sol Piccolo en récep, mais c'est tenu. On voit l'attaque basket. Ouais. Niel qui était resté sur l'attaque 2 adverse. Et on retrouve Marie Neveu au service. Dans la scène de Niel. Oh, bien joué. Oh, superbe passe de Zoïla qui a mis Niel en 1 contre 1. Là. La centrale rennaise était restée scotchée sur Lisa. C'est exactement le genre de ballon que Niel apprécie. Ouais, accéléré, rapide, qui prend un peu le contre adverse de vitesse. Et en 1 contre 1, elle réussit à faire ce point. 6-3. Oh, belle défense sur cette attaque, petite Diag. On lui redonne la balle. Et ballon déposé. Super. J'adore les points comme ça. Ouais, elle avait bien vu parce qu'on voit à l'image sur la rentille, le bloc rennais était en place. Elle l'a déposé juste derrière. Il a fallu, il a manqué quelques centimètres à la poste 1 pour la récupérer. On garde le point. Ne sert plus matché, Yaremis. Attention, ça va retomber dans le terrain, oui. On a tous regardé, tous retenu notre respiration dedans. On va voir qu'est-ce qui la touche. C'est Zoïla qui touche de la main droite. Et ça va mourir dans le poste 1, carré magique. Ah oui, il a complet. Ah, parce qu'elles étaient bien présentes si ça retombait dans les 3 mètres. Mais là, non, c'était plus 7-8 mètres. Allez, 8-3 pour les Louvres. Attaque basket. Ouais, c'était très bien joué. Très bien joué, parce que la passeuse était pratiquement à 3 mètres, 3 mètres 50. Laura est bien placée, elle arrive un poil tard. Mais ouais. Elle l'a suivi, mais c'est très bien joué. Alors, vous l'avez remarqué, il n'y a plus de temps mort technique à 8 et à 16 depuis le début de saison. C'est pour ça que ça enchaîne très rapidement. Ce sont une des nouvelles règles de cette saison. Il n'y aura juste que les deux temps morts entraîneurs à chaque manche. Oh, belle passe. Ah ouais, c'est limite une passe poste 2, mais passe attaque basket pour Lisa Lecouls. Entre la basket et la 2, ouais. Lisa Lecouls qui fait un très bon début de saison. Elle a toujours fait des très bons matchs aboutis. Joueuse très dynamique. Ouais. Allez, Niel au service. On va chercher la libéro Olena Iglemoigne. Ça enchaîne, poste 6. Ah, bien suivi. Encore une fois. C'est sauvé. Laura qui est vraiment bien dans son match là, sur toutes les balles placées.
Encore. Allez, encore une fois, on la retrouve. Allez, Niel à la passe. Oh non, quel dommage. Ouais, c'est venu mourir dans sur le filet, mais c'est bien, il y a de l'engagement. Un peu derrière, mais Les filles n'ont pas peur de se jeter au sol. Ça montre leur détermination pour cette rencontre. Alors, on a un petit temps mort avec la transpiration sur le sol. Ça ne va pas nécessiter l'intervention des Quick Moppers. Et on retrouve Oumayama Kodiel, double nationalité marocaine et italienne pour les joueuses qui a sa 6e saison au REC. Allez, on va chercher Laura. Un petit peu. Bien joué. La Pinto Touch pour Zoïla. Ah, c'était pas évident. Mieux. Ouais. Alors, je ne sais même pas si on va la voir, si elle sera sur le terrain. Mais deuxième touche de balle, deuxième main, au 3 mètres. Ah, ça a vraiment pris tout le monde de surprise. Superbe. Un service zone de conflit, ça renverse. Ah, c'était un petit peu lent. Oh, elle s'est très bien débrouillée, la Constance Plat. On a voyé le ballon fuir du côté de la mire. Elle a réussi à gifler cette balle au dernier moment et à trouver les mains de Yaremi. C'était bien sauvé. Elle est Rennes, qui reste à moins 4. Récepte de Christina. Elle est en chaîne. Récepte à 4. Ballon freiné, ouais. Qui est retombé juste derrière le bloc. Poste 4 adverse qui était un petit peu en retard sur le soutien. Un petit peu, ouais, on va sur les talons. Et 11e point avec temps mort demandé par l'équipe de Rennes. On va les écouter. Alors on n'aura pas eu le son parce que le caméraman se situe un petit peu à l'opposé du terrain. T'es pris un peu de prix de vitesse sur cette demande de temps mort de la part de l'entraîneur de l'équipe du REC. Allez, l'essentiel n'est pas là. Les Louves qui sont à plus 5 dans cette première manche, 11 à 6 et la passeuse au service. Alors, bien réception, c'est donc on peut accélérer le jeu avec cette attaque fixe. On renverse sur la pointue cubaine. Et le ballon qui passe entre les mains du contre et le filet. 12e point pour les Louves. Après, on voit le petit coup d'œil de Zoïla vers son entraîneur pour les consignes de service. Allez, on va se servir entre la zone de conflit, sur la zone de conflit entre la libéro et la poste 1. C'est défendu. Zoïla, oh, qui arrive à super bien ramener cette balle là. Passe en diagonale. Ah, défense de notre côté, malheureusement, faute de filet. Encore une fois, les filles qui donnent de leur personne. Là, on va voir sur le ralenti la défense de Zoïla, poste 1. Avancée. Ah bon, je pense que Christina, ouais, on le voit, il s'est retourné. C'était une faute de fil de la part de la Bulgare. On retrouve Marie-Noël Ruba Pandoli au service smatché. Ouais, c'est tenu par Eva. Ouais, bien servi. Je crois qu'elle était un tout petit peu surprise de ce service smatché, je pense. Allez, on accélère avec Constance Plat. Défense réflexe. Ouais, mais défense réflexe, mais Niel Elgoul, poste 6, n'a pas pu la ramener. Sur le ralenti. Ouais, on voit Christina qui avait pris un petit peu l'option poste 4. Elle s'était décalée d'un pas, mais c'était un pas de trop. Et la centrale française a pu attaquer cette balle. 12 à 8. Encore une fois, ce match. Ouais. Très belle réception de Laura sur le côté. Super fixe arrière, ça. Ouais, c'est demandé toucher. Mais c'est monté. Ah, c'est ça, ouais, ça sort, ouais.
Mais c'est monté très haut de la part de, ouais, de Christina. On rappelle. Non, Christina, c'est pas son dans sa panel de jeu. C'est plus Lisa qu'on voit en attaque basket et Christina sur du temps fixe standard. Ouais. Allez, troisième alors, service matché. Ouh, il y a Rémis qui se fait attraper là par la pointue adverse, Sol Piccolo. On le ralentit. Un match dans le match entre les deux pointues, ouais, entre la cubaine et l'argentine. Sol Piccolo. 1m88. Ouais. Ça monte très haut. Et temps mort demandé cette fois-ci par Manu Dumortier, le coach des Louves. Allez, on va essayer d'engager la seconde maintenant là pour du côté des Louves. Rennes qui pointe à deux longueurs derrière nous. Belle série en cours. Oui. Sur ce service matché qui n'est pas trop en difficulté, mais on a du mal à finir le point derrière. Ah, il va qu'à... Allez, Laura Urios, ça la passe. Allez, on va jouer sécurité en manchette. Allez, on va essayer de mettre le bloc défense en place pour pas se faire avoir. Ah, malheureusement, il va toute seule. Ouais, Christina, on n'a pas suivi parce qu'elle s'est fait prendre de vitesse. Ah, et puis elle n'a pas eu le temps de réagir pour soutenir ce ballon. Et bon, après, il fallait pas grand-chose non plus à Lauréa pour la remonter. Bon. Petit arrêt de jeu là par rapport à la transpiration sur le sol, les Quick Moppers. La petite Amina sur le terrain. Allez, c'est reparti. Moins un pour les joueuses du REC. Là, on cherche, ouais, on cherche clairement, clairement Yva hein, sur ce service. Allez, Sol Piccolo attaque en deux qui se fait attraper. Alors ça va rejouer. Défi. Non, c'est bon, ça reprend. Allez, il y a Rémis qui trouve. Est-ce qu'elle peut avoir une deuxième fois ? Ouais, elle était chercher le haut des mains de Piccolo. Ah, fallait stopper cette petite série de services là, qui fait du mal et qui a vu les joueuses de Rennes revenir. On voit le ralenti. Ouais, elle va lui toucher le petit doigt de la main droite. Mais c'est suffisant. Et reprendre deux points d'avance. Servir. On va chercher la pointue. Ah, dommage. Pris de vitesse, Christina qui a dévié ce ballon. Ouais, niveau de jeu qui s'est un petit peu homogénéisé là, entre les deux équipes. Ouais, c'est une trajectoire très tendue là, de Constance Plat, la centrale française. Malheureusement, ça n'est pas passé. Service. Christina Jordanska entre les deux joueuses. Ça sort. Ouais, ça sort. Je pense qu'elle voulait peut-être jouer un peu les mains parce qu'elle a pris son ballon un petit peu en arrière. Un petit peu derrière elle hein, pour pas faire de faute. C'est bien, ça donne un petit break, une petite bouffée d'oxygène dans cette première manche. Et on renverse encore une fois. Oh, belle petite attaque diagonale là pour Marie Neveu. Ah, c'est soutenu. Ouais, belle passe en déséquilibre. Ah. Et encore une fois, l'Argentine Sol Piccolo qui attrape au bloc. Yaremis Mendaroleva. On va voir sur le ralenti. Ouais, ça reste propre. Hein, c'est franchement. Défense du point, passe en suspension. Malheureusement, c'était un petit peu trop visible et le bloc adverse était bien mis en place. Et on retrouve Marie Neveu au service. Ah, on cherche vraiment Yva là. Ouais. Ah, celle qui a montré
le plus de faiblesses pour l'instant. Et ça passe sur cette attaque basket, encore une fois, en 1 contre 1. Après, quand les consignes de service, quand on voit une joueuse un petit peu en dessous, il faut continuer à servir sur elle tant que pour la faire craquer. Ouais. Bah là, ça marche. C'est pas précis encore. Allez, voilà, ça va repartir dans quelques instants. Oh, c'est parti très vite, très fort. Ouais. Par contre, c'était au milieu du filet. Fort, hein, ouais. Notre libéro. Allez, la pointe cubaine des Louvres au service. Avec toujours plus 2. Ça s'est reposé juste devant. Ah voilà, ouais, bien joué. Sol Piccolo était bien placé en récep. Par contre, elle n'a pas pu guider son ballon là. C'était tombé juste devant elle et Lisa Lecoul c'était bien prête. Elle n'a pas fait de faute pour glaner ce point. 17-14. On servit très long, c'est bien ça. Terrain, ouais, bien servi. Ouais, belle défense de Laura. Belle passe. Zoïla sur un fauteuil. Le filet a aidé un peu là. Ouais, c'est le filet. J'ai cru que c'était qu'elle avait touché la mire, mais Lisa, mais non. Elle fait très peu d'erreurs Lisa Lecoul sur ses attaques basket. Et voilà, on retrouve nos Louvres à plus 4 dans cette première manche. Et nouveau temps mort demandé par Yann Chubio, l'entraîneur du REC. Allez, c'est chaud. On le fait également. Il y a encore ce soir. Attention, je compte sur le public. Je compte sur vous. Ils sont très beaux, les maillots roses. Ils sont très beaux, je suis en train de les regarder. Ouais. Je suis en train de choisir le mien. Pour la mise en vente. Ouais. Là, ça rend super bien. Les sapins ressortent bien. Ouais. Là, il y a du bon boulot de fait. Et puis, sur même Laura, le sien, avec le dégradé de rose. Et ça change des roses des autres années. Mmh. On peut faire la collection. On peut faire une collection. Il y en a que des collections. Oui, hein. Oui, je sais bien. Si vous avez la chance de vous rendre dans les locaux de Prestatech événement, il y a tout un couloir. Ils en ont 2 ou 3, si je me tourne. Ouais, c'est ça. On valide. Allez, retour sur le terrain. Série en cours pour Yaremis au service. Allez, ça enchaîne. Ça joue rapide. Hein. Ouais, c'est bien. C'est des attaques vraiment limite petite diagonale, mais tout le monde y est. Allez, au sol. Alors, Marie Neveu qui décide d'enchaîner là-dessus. Défense de la pointue cubaine. Yalil Goul. Qui a trouvé la ligne là. Magnifique. Laura, qui est là encore. Oh, super, parce que pour moi, c'était. Isaac allait défendre. Allez, on renverse poste 6. C'est défendu bien, encore. Bien, on est là. Et. Ah, c'est bien, c'est un beau rallye là. Ah, dommage. Ah, c'est dommage parce qu'ils étaient bien placés. Il va en poste 6 pour couvrir un petit peu la montée d'Yaremis. Bon, puis les longs échanges, comme ça, c'est toujours très frustrant quand on les remporte pas. Ah, elles étaient juste derrière. Ah, c'est pas grave. Un tout petit peu de communication la prochaine fois. On a de l'avance. Hein, ouais. Parce que... On va retrouver Sol Piccolo qui a évolué donc depuis 3 saisons au REC. Elle a été joueuse de Levallois sur la saison 2019-2020. Jouée à Buenos Aires et à Béziers en 2015-2016. Allez, Niel Elgoul qui lâche, qui suit. Lâche le bras, ouais. Elle a suivi au contre. Lénaïque Lemoine à la passe, c'est défendu. Ouais. Allez, Niel qui va déposer. Bravo. Et ben c'était pas gagné parce qu'elles étaient les 4 joueuses sur 1 mètre carré et elles se sont gênées. Bien vu de la part de la franco-tunisienne Niel Elgoul. Bah, qui est la plus ancienne, hein, il me semble, des Louvres maintenant. On dit pas tout. Allez, c'est sauvé. C'est la plus ancienne, oui. Ah, Lisa qui trouve les solutions. Ah. Alors par contre, on ne l'a pas vu. Ah ouais, donc la première arbitre qui la siffle out. Donc je pense qu'il y a dû avoir une petite touche de balle sur la mire ou en dehors du. Ouais, c'est. Ça touche la mire ? Non, ça touche pas la mire, mais je pense qu'elle passe à côté de la mire. On voit, elle s'excuse tout de suite après.
n'a pas réussi à aller chercher les mimines en face. Et on retrouve Mayama Kodial au service. Allez, deuxième chance pour la remettre en confiance. Ouh là là. L'erreur de Marie Neveu, oui. Ballon un peu trempé, ouais. Ouais, c'était peut-être un peu mouillé. Prise de ballon très basse. Mais ça se prend. Ça se prend. Et 20e point pour les Louves. On rentre dans le money time de cette première manche. Ouais, vous l'entendez par le micro du speaker José, les ramasseurs de balles et les quick moppers qui nous viennent des équipes de jeunes du club. Ils ont le coup sous service, très bien servi. Ah, bien suivi là, sur la base 1 de Yaramis, là, sur la deuxième main. Et ça touche la mire, cette attaque de Iva. Iva qui a une petite baisse de régime. Ouais, là. Petite baisse de régime. Les passages sur la ligne dernière en reset. Ouais, un peu baissé son capital confiance. Et ça s'est ressenti sur ses attaques. Et on retrouve la capitaine Louise Narbonne au service. Au service flottant sur Iva encore et toujours. Pour elle à l'attaque. Voilà. Ouh, belle défense en Corse là de Lénaïque Lemoine. Allez, la défense. On joue rapide tout de même. Bien joué de la part de Yari. De la Cubaine Yaremis Mendaro. Alors c'est bien sur cette phase de jeu, on voit un petit peu le système de jeu. Si la passeuse touche à le premier contact de balle, c'est automatiquement la libéro qui fait la passe. Oui. On le voyait déjà d'ores et déjà l'année de saison dernière avec Thaïs Daden. Et là, c'était vraiment flagrant parce que c'est une bonne solution. Ouais. Ouais. Personne d'autre ne s'est imposé pour la deuxième touche de balle. Et c'est un changement du côté de Rennes avec la sortie de Sol Piccolo qui se voit remplacée par Adriana Dartuy, la franco-brésilienne, qui est une recrue de cette saison. Adriana qui a évolué à Istres, Paris Saint-Cloud, après une expérience en NCAA aux États-Unis. Et c'est un service dehors assez bien parce que la dernière rotation, elle nous avait fait très mal Marie-Noël Ruba-Pandoli sur son service matché. +22 plus 4. Allez, service d'Iva. Petit zip là d'Adriana Dartuy qui renvoie ce ballon en manchette. Allez, on va pouvoir développer notre jeu de l'autre côté. Oh, beau soutien d'Iva sur ce bloc. Ça joue en 6. C'est freiné par Christina. Allez, Niel qui va accélérer. Et ballon défendu, mais en dehors du terrain. 23e point pour les Louves. On va voir le ralenti. Aniel qui sort absolument pas du terrain. Très courte prise d'élan là. Allez, consigne de Manu. Allez, Yves. Un petit ace pour gagner le point. Bien servi. Hein. C'est très peu de hauteur sur la réception de la libéro. Et le monster block. Ah, ça doit aller où là? Ça doit aller où? Entre le 1m88 de Yaremis et 1m96 de Christina, on va le voir au ralenti. Je ne voudrais pas attaquer en face là. Ouais, c'est posé. Superbe. Ouais, parfait. Homogène, là. Parfait. Et c'est une première balle de 7 pour les Louves dans cette rencontre. Bien servi là. Elle fait complètement déjouer les Naïves Lemoine. Ça fait mal. Je crois que ça s'appelle une équerre, hein, Janina. Je crois qu'on n'a pas d'autre terme là. Hein, c'est redescendu à 90. Bah, très belle balle de 7. Ouais, clairement là. Et donc les Louves qui remportent ce premier set sur le score de 25-18. Alors à part un petit passage, petite baisse de régime au milieu de set, elles ont vite retrouvé des couleurs. Et un passage en service matché qui a fait très très mal. Mais elles ont réussi à retourner
retourner tout ça et repartir sur le droit chemin pour remporter cette première manche. Alors, on voit que vous êtes très nombreux sur le direct de cette rencontre. Un petit coucou à Seb Pélissier, un ancien du club. Oh, salut Seb. Ouais, qui joue avec le public en demandant à de ses anciens collègues de lui faire un petit coucou. Ah oui, je vois. Le légendaire Yan-Yan. Le Yan-Yan. Qui a repris du service cette saison. Il paraît, ouais. Avec l'équipe de Régional Garçon, qui se sont imposés il y a 15 jours à Gondange. On a une belle équipe masculine cette année. Ah ben oui, il y a quand même trois joueurs qui ont évolué dans l'équipe de National 2, ouais. En la personne de Pierre-Wanga Djarmela, Nicolas Strabak, Yanis Crosnier. Alors c'est sûr que le niveau n'est pas le même en régional, mais je pense que ouais, mais ils doivent être, en discutant et en m'entraînant et en jouant avec eux, c'est il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est reprendre du plaisir. Ils ont bien raison. On fait aussi un petit coucou à Julie qui nous a informé qu'elle nous regarde. On la salue coucou bien Julie. Fort. Bon rétablissement à toi, Julie. J'ai vraiment apprécié cette première manche. On a vu dès les premiers échanges toutes les joueuses aller au sol. Il y a beaucoup d'abnégation. Pour c'était du beau jeu. Ouais. Pour ce début de rencontre, belle réaction quand même du côté de Rennes aussi hein, sur ces services. Ah oui, ça bagarre. Hein, y a série pas... de services. Bon, ce n'était pas des aces, mais on a pu entrevoir un gros potentiel du côté de Rennes également. Ça on annonce une belle suite. Ouais, exactement. Beau deuxième set. Pour faire honneur à notre match Octobre Rose. J'ai hâte de savoir l'affluence pour cette rencontre. On sera bientôt, je crois, non ? Oh, je pense que ça va bientôt arriver. Ouais. On attend. Voilà, il y a surtout une affluence au niveau de la buvette sur ma gauche. Bah avec les températures qu'il fait en ce moment, chère Janina. Oui, c'est vrai. Il faut s'hydrater. C'est la consigne. C'est la consigne, non, Pia ? Ouais, le premier magistrat de la ville qui est en tribune VIP. On voit également monsieur le député qui est là. On voit hein, que la municipalité suit de près, de très près, cette équipe des Louves. Et c'est ça qui est sympa, de tous se retrouver ici le samedi soir, dans une bonne ambiance. On voit à l'écran aussi une petite délégation de t-shirts roses. Ah oui. Là-haut, c'est bien, ça fait plaisir. Tu n'es pas en rose d'ailleurs. Ce n'est pas trop, c'est pas trop les couleurs de mon, dans mon dressing. Je sais qu'il faut pas genrer, mais. Oui, tu as tout à fait le droit de porter du rose. Exactement, sans aucun problème. Allez, on repart avec au service Louise Narbonne. Allez, c'est parti pour cette. Ce deuxième set, on va faire jouer tout de suite Yaremis, poste 2. Oh, très beau bloc défense qui était bien en place là. Nelly Le Goul, poste 6. Poste 2. Oh, ouais. C'est bien placé. Ouais. Bien placé, elle a bien regardé. Ah avant. Ouais, voilà, belle, jolie frappe enroulée. La force, ce qu'il faut pour Marie Neveu là. Marie Neveu qui effectue sa deuxième saison à Rennes. Elle a auparavant évolué à Quimper de 2016 à 2019 et à Clamart de 2019 à 2021. Et on retrouve la passeuse et capitaine au service. Et c'est un nouveau point. Ouais. Je voyais que ça hein, siffler oui. Sur cette attaque de Yari. Elle a bien réussi à placer entre les deux bloqueuses. Allez, Iva qui avait terminé de très belle manière le set précédent. Bien suivi.
Oh, très beau, joli bloc là de la paire Nouveau Plat sur cette attaque poste 2 des Louves. On va le revoir. Service matché. Ouais, qui nous a fait très bien. Ah, c'est bien. C'est tenu par Riva cette fois-ci. Gabriel a un tout petit peu en retard là sur son timing d'attaque en contre. Allez, c'est soutenu. Zoïla à la passe. Yaremissan. Ah, elle aurait pu lâcher un peu, un peu plus forte. Elle était en 1 contre 0. Ballon déposé, mais contré. Ça joue tactique là. Voilà. Ouh, là, Yaremis qui est passé au-dessus. Ah là, la différence de taille. C'est impressionnant, on le sent. Ah, on va le voir sur le ralenti. Pourtant, elle avait bien suivi Marie Neveu, mais Yari avait passé au-dessus entre les mains. Ouais. Donc, elle a flirté avec la ligne de fond, l'égalisation de Saint-Dié. Ouais. Ah, dommage. Volonté de servir court là, mais ça n'a pas passé le fil malheureusement. RN qui prend les devants. Ouais, bien, bien. Belle défense là, sur cette attaque. Ouais, ça joue les mains. Au centre. Allez, Lisa Le Cool, signale et le goal. Elle se fait jouer les mains. Très belle défense encore. Très beau soutien de la part de Laura. Allez, on renvoie sans faire de faute. On met le bloc def en place. Ah, dommage. Là. Oumayama, sans attaquer, elle a voulu jouer tactique en poussant ce ballon. Touché par Laura, malheureusement, ça n'est pas revenu. On va avoir le ralenti. Elle s'est un petit peu débrouillée avec cette passe un petit peu basse. Malheureusement, il y a une petite mésentente là sur les joueuses avant. Il cherche toujours Iva. Il cherche Iva qui a renversé. Mais je remarque que du côté de Rennes, que Sol Piccolo n'a pas tout le temps le poste de pointu. Parce qu'elle se retrouve à bloquer en 4, bloquer en 2. C'est suivant l'attaquante adverse, j'ai bien l'impression. Ça s'adapte par rapport aux lignes d'attaque des Louves. Allez, Niel Elgoul, c'est freiné. On va lancer la contre-attaque du côté de Rennes sur. Ouh, bien joué. Voilà. En direct, c'était très surprenant, mais efficace. C'est inattendu. Attaque poste 6, on le voit sur le replay. Et là, hop, la petite patte. Yaremis qui s'attendait à un ballon à venir en assist même, mais c'est fait jouer. On retrouve Constance Plat. Ancienne joueuse d'Evreux et de Calais au service. Allez, Zoïla qui renverse pour Yaremis. Voilà. Belle recette de Lou. Hein. Ouais. C'est pas évident. Et oui, on a un petit peu zappé le changement de joueuse là, entre Lou Meyer et Iva Davidovic. Excusez-nous. Pour la faire souffler, je pense. Hein. Oui. Mettre un peu les. Oh, c'est bien, c'est une bonne entrée. Les idées en place. Oh, c'était bien joué ça, hein, cette passe arrière d'une main. Ouh, ça a flirté avec la mire, ce passage de balle. Et malheureusement, le retard de Lisa Le Cools qui la pousse à la faute. Et Rennes qui fait un break dans cette deuxième manche, 7 à 3. On va voir sur le replay. Ouais, Lisa qui part de beaucoup trop loin. Elle arrive en retard, elle se fait jouer les avant-bras. Ouais, très beau service. Très beau service. Hein. Là, c'est vraiment la zone. Super service de Marie Neveu qui fait une très belle rencontre pour l'instant, là, que ce soit à l'attaque ou au service. C'est vrai. Elle ne manquait pas grand-chose. Elle a un peu pris tout le monde de trajectoire tombante. Et c'est un temps mort demandé par Madu Nubortier sur le score de 8 à 3. Hein, parce que là, on prend. Début de rencontre, moyen-moyen. Début de set, moyen-moyen.
Alors, ensemble, avec les pieds et avec les mains, c'est parti. La récepte est prête du filet. Allez. 4, à nous de revenir. Démentiel. On revient dans le jeu avec de la qualité de réception et de la position. Merci, merci, merci. Que Manu a voulu en mettre un, rajuster quelques. Oui, c'est le bon moment pour le faire. Quelque chose, ouais, pour pas prendre plus l'eau que ça sur ce deuxième set. Allez, la réaction est à faire maintenant. Encore une fois, Zoïla qui doit traverser la moitié du terrain pour faire la passe. Niel Elgoul qui trouve la place pour passer. Allez, contre-attaque sur attaque basket. Ah, un peu court. Ouais. Lisa qui n'a pas pu faire autre chose que placer ce ballon. Ah, belle défense de Lou Meyer derrière. Très beau. Allez, Niel qui assure le coup. On renverse poste 1 sur Marie Neveu et bloc out. Ouais. C'est bien joué de la part de Rennes. Là. Ouais, c'est vraiment Marie Neveu qui a le poste de pointu et Sol Piccolo qui est en R4. Mais elle fait un très bon match à Marie Neveu sur ce poste. Malgré un petit gabarit entre guillemets d'1m77. Wow, Ria Remis lancé là. Ce qu'on appelle un ballon planté. Ouais, parti de très loin, je ne sais pas si on va avoir un replay, mais ça a été très vite, 1 contre 0. Ouais, superbe attaque de la pointue cubaine là. Plaisir à voir. Allez, que moins 5. Récepte, c'est tout mieux. Maïma Codel en attaque basket. Zoïla qui va renverser poste 1. Et pareil, très belle attaque. La défense n'a pas pu... défense rennaise n'a pas pu se mettre en place. Bien joué. Oh, elles sont restées. Pourtant, elles étaient bien en place, mais elles se sont gênées les deux, Marie Neveu et Marie-Noëlle Rouba-Pandoli. Ah, dommage. Une volonté de servir court là de la part de Niel Elgoul, malheureusement. C'est dans le fil. Et ce qui maintient les Hermines à plus 5 dans cette deuxième manche. Allez, Lou Meyer à la récep. On va chercher encore une fois. Ouais, c'est bien suivi par Lena Aiglemoine. Attaque basket, poste 6 de Marie Neveu qui trouve une fois la solution. Et on retrouve Sol Piccolo au service. Allez, on va encore chercher Lou Meyer. On l'a fait enchaîner. Zoïla, beau point de Lou là sur l'enchaînement récep-attaque. La jeune Lou Meyer, recrue de cette saison, qui a évolué à Nantes auparavant entre 2020 et 2022. Bien servi. Ça n'a pas trop mis en danger la libéro. Ah, bien soutenu de la part de Zoïla. Christina la passe. Tac poste 1 de Yaremis. Allez, on va rejouer là sur l'Uruguayenne. Ça va revenir. Lisa qui s'en veut là. C'est un petit peu manchette loupée. Il faut réussir à mettre en difficulté même sur des relances. Et ça sort. Ouais. C'est pour nous. Marie-Noëlle Rubapandoli qui a voulu chercher un petit peu. Trop grand angle là sur cette attaque poste 4. Allez, point par point, les Louvres pour venir à. À hauteur des Rennaises. Ouais, ça joue bien, ça joue propre en face 1. On n'arrive plus trop à mettre en difficulté la réception des Hermines. Et on les laisse un petit peu jouer. Alors, on fait des exploits sur le bloc def, mais. Pas à chaque fois. Il faut qu'on essaye d'être un petit peu plus agressive au service. Parce que là, pour l'instant, Rennes joue comme un fauteuil là, à l'image de la passeuse qui peut vraiment jouer ce qu'elle veut. Allez.
Ah là là, Lou Meyer qui a été bien placé, malheureusement, block out. Voilà, nouveau point pour les Hermines qui vraiment prennent le large dans cette deuxième manche. Et je pense, et j'ai lu dans les pensées de Manu Dumortier, nouveau temps mort pour Manu Dumortier et les Louves. On va essayer d'écouter les consignes, ouais, l'écart se creuse. Pas trop de solutions du côté des Louves en ce moment. Est-ce que ça va toujours? Bon, allez, on compte sur vous, allez, fais-moi une musique. Et on va essayer d'en remettre le rythme, de la bonne humeur. Elles ont besoin des supporters. Et à Zola de faire les meilleures passes possibles. Et tout le monde doit retrouver ses qualités. Pas sur celle-là, mais pour la fin du match. Allez, allez. Allez, ça repart. Hein. On ne va pas forcément penser à remporter cette deuxième manche, mais à se remettre sur de bons rails, trouver les solutions. Un set n'est jamais perdu d'avance, Sébastien. Un match en plus. Un match, non. Là, le set est très mal embarqué. Il faudrait vraiment. Très mal embarqué, je suis bien d'accord. Gardons espoir. Allez, on retrouve Oumaima Kodial au service sur Niel Elgoul. Allez, attaque basket, c'est soutenu. Contrée est soutenue. On se replace sur le bloc def de notre côté. Et Sol Piccolo qui. Ah non, Constance Pla qui trouve la solution face à Lou Meyer. Elle joue la ligne. Voilà, la capitaine de Rennes peut vraiment montrer l'étendue de son jeu, de sa palette de jeu, parce que c'est des ballons qui lui arrivent vraiment. Elle est dans un fauteuil à chaque fois. Et on va prendre cette rare faute au service pour couper la série. Et on va retrouver Zoila La Rosa à l'engagement. Ouais, ça va attaquer en pipe sur Marie Neveu, contrée par Christina. Mais ça revient, c'était soutenu et défendu. Bien, bien, bien. Allez, Laurent, une nouvelle fois la passe pour Yaremis, poste 2, qui va déposer. Mais c'est une faute de fil sifflée par le deuxième arbitre Philippe Merck. Allez, c'est parti là, il faut garder cet état d'esprit. Allez, on repart. 9 à 15. À l'avantage. Ah, Zoila qui cherchait la ligne sur ce service. C'est pas souvent qu'elle fait des fautes au service. Ouais, il y avait vraiment l'intention de. Ouais, elle cherchait vraiment cette zone. Ouais, la rupture du côté de la réceptionneuse rennaise. Et on me glisse à l'oreille que les effectifs, l'affluence est arrivée. Et ce soir, vous êtes pratiquement 850 au POJC. Encore une fois, on vous remercie beaucoup de cette belle affluence pour ce match Octobre Rose de ce soir. Ouais. Ça réceptionne. Lou Meyer, on accélère le jeu. C'est ça, il me semble aussi que c'était les chiffres. En fait, on s'en étonne même plus. C'est vrai, 850, ouais. 850, c'est devenu la norme, la base. Mais ça fait plaisir à voir, ça, c'est sûr. Il y a 3 ans, on n'y était pas. Hein. Ah non, on n'y était pas. Non. Mais c'est bien, c'est ce que. Le programme qu'on propose, le jeu, le spectacle que le club propose répond aux attentes. Aux attentes et fidélise un petit peu tous ces spectateurs, tous ces supporters. C'est un super moment en même temps. Ouais, petite faiblesse au niveau de la passe de Louise Narbonne, un ballon un petit peu trop intérieur. Et on retrouve Lou Meyer, 16-11 toujours pour les Hermines. Bien servi, bien réceptionné.
Et c'était, elle était attendue, la centrale rennaise. Et là, le bloc Niel Elgoul, Christina. Un monster bloc là de la part des deux. Ouais, c'est ça, c'est pas fini. Là, il y a un temps mort demandé par monsieur Yann Chubillo pour casser la remontada des Louves. Est-ce que les supporters sont toujours là? Exclusivement sa passeuse et capitaine. Que la salle se met à chanter, c'est le public qui va s'enflammer. Allez, allez, allez. C'est assez calme, c'est un signe de distribution. On peut s'attendre à tout. Bon, merci. Hein. Après, je trouve que des deux côtés, la distribution est assez, assez variée. Ouais. Assez variée, hein. On joue en poste 6, poste 2, au centre, en 4, les ailes. On n'en voit pas autant, ouais. Toujours. Ouais, d'accord. Allez, à nous, avec un bon service, de restreindre de ses choix de passe. Bien servi. Ouais, bien servi. Elle va s'employer sans faire de faute. C'est la libéro qui doit passer le ballon. Ah, belle relance de la part de Lou Meyer. Superbe. On accélère sur Niel. Défense de l'Enaïg. Tu as vu la qualité de cette passe? C'est oui, j'ai vu. Précision. Non, mais c'est. Ah, ouais, mais puis, je suis impressionnée. Et puis, Constance, ouais, la centrale Constance Plaque était un petit peu en retard. Ça a été trop vite pour elle. Ah ouais, parce qu'elle l'a bien caché jusqu'au dernier moment. Allez, on est revenu à moins 3. On croit au miracle. Allez, Lou Meyer qui va ça chercher. Ça tient en récepte. Uruguayenne. On reverse sur Marie Neveu. Elle a voulu, je pense, placer le ballon là. Faire une petite... Mais devant, il y avait un mur, le mur des Audaciens. Ouais. On va voir le ralenti. Allez, c'est reparti. Ouais, bien joué là, Yaremis. On voit pas trop sa main là, mais je pense qu'elle a cherché c'est Yaremis, à placer. Ouais, ouais. Et changement à la distribution du côté des Hermines du Rec avec la rentrée à la passe de Sarah Le Crosnier, poste 1. Et on est revenu à moins 2, Giannina. Et ben voilà, Sébastien. Ouais, je dit. Petit à petit. Et ben c'est. Jamais joué d'avance. Et ça me fait plaisir d'avoir à démentir tout ça. Et voilà. Et même moins 1 maintenant. Super. Allez, ils sont repartis avec de meilleures intentions, les Louves. Ouais, puis il y a une petite baisse de régime du côté de Rennes, là. Donc on la prend. Ah, on voit que c'est. Ouais, comme vous dites dans les commentaires du live, la confiance a un petit peu changé de camp. Ouais. L'efficacité surtout. C'est vrai, et ça. On revient à moins 1 au meilleur des moments. Ouais, ça renverse. Ça joue bidouille. Ouais, ça joue bidouille, mais. C'est bien placé. Hein. Pas entendu, Giannina là. Ouais, vu. Belle prémonition, malheureusement. Ouais. Le poste 5 était trop loin, Laura Urios. Et on retrouve l'ancienne potionnaire de Calais, de Porto et de Santa Fe, Marie-Noëlle Ruba Pandoli, au service. Service matché. Donc elle fait très mal aux premières manches. Et belle attaque. C'était un, j'allais dire, petit bras de la part de Christina qui n'a pas pu tendre son bras. Mais le résultat est là. On voit le ralenti. Elle a quand même réussi. Alors, changement. Bah, elle rentre au service à la place de Christina. Alors, ce changement a fait des merveilles la semaine dernière en fin de match contre Bordeaux. Il y a souvenir 20-22 contre nous. Et ça s'est terminé 25-22 avec la rentrée de Maëlle au service. Bien servi, hein. Encore une fois. Elle n'a pas tremblé là. Oh non, ah, non, dommage. Non. Ah, parce que là, pareil, il y avait un bloc qui avait bien anticipé, la Lisa Le Coulcier-Rémis qui avait bien anticipé. On va encore la reprendre celle-là. Ouais. Allez, c'est pas grave, on est qu'à moins 2. Au service. Constance Plat, 18-16 pour les Hermines dans cette deuxième manche. Ouh, Lou qui a complètement dévissé. Ça, ouais, ça va être dur. Ah, c'est dur. Agnès, elle s'est bien battue là. Ouais. Ah, y a vraiment des cibles. Des cibles à titrer là sur les consignes de service du côté de Rennes, que ce soit Iva ou Lou.
Allez, on reprend les fondamentaux, on rentre bien dans son ballon. Allez, voilà, Diel qui est venu lui donner un coup de main. On va pouvoir enchaîner sur Yari. C'est freiné, on va rejouer. Poste 2 sur Marie Neveu. Malheureusement, qui fait la faute ? Heureusement pour nous. Ouais, parce que là, plus 4, ça aurait été moins évident en fin de set. Et avec moins 2, je l'admets, tout est encore possible dans cette manche. Allez, Yari, qui va chercher ? Mercat adverse, elle est au soutien. Un bras, belle passe en manchette là pour Niel, qui trouve la solution. Lisa qui va poser le jeu. Allez, ça, c'était un petit peu trop accéléré même. Alors là, c'est très bien joué de la part de Zoïla et Lisa parce qu'il me elles semble qu'elles ont enlevé les mains là. Exactement. Ouais. Elles ont enlevé les mains sur cette attaque de Sol Piccolo. Ouais, on va voir. Ouais, c'est Zoïla qui fait mine avec le petit regard je t'ai eu. C'est très bien joué là parce que ça permet de revenir à moins 1 au meilleur des moments, encore une fois. Ouais. Et malheureusement, alors que va dire l'arbitre ? Ah, faut accepter cette décision, ça joue vite. À pas vouloir faire d'erreur, on remet le point. Parce que ça doit se jouer à pas grand chose, ballon touché ou sur la ligne. Allez, 0-0, balle au centre. Nouveau service de Yaremis. Sarah Le Crosnier, très belle défense encore une fois de Laura Rios. On accélère le jeu pour Oumaima Kodial. Elles ont un regain d'énergie là. Ouais. Ouais, c'est bien joué. Pourtant, elle s'en veut. Laura a été placée, mais ouais. Ça allait un petit peu trop vite. Ah, l'arbitre discute avec Zoïla. Il y a eu quelque chose, une attaque ? J'ai pas trop vu. Alors, à voir si c'est Zoïla qui s'adresse à l'arbitre ou l'arbitre qui a appelé Zoïla, je ne sais pas. En tout cas, elle a le droit. C'est la capitaine. Oui, c'est la capitaine. Demande des petits. Mais ils n'ont pas l'air d'accord là. Malgré tout, ça sera, ça sera la personne en haut de la chaise qui aura le dernier mot. Oui. Ah, elle a été portée un message de du coach. Manu, je pense, ouais, de Manu, okay. Ouais. Très bien. Allez, le retour au terrain. Plus 2 pour les Rennaises. Voilà, il y a meilleur des réponses. Alors on voit Zoïla là, qui a harangué la foule. On va revoir le replay. Elle était complètement sur le côté, Zoïla. On voit son numéro. Elle a fait une passe en extension sur le côté à Lisa. Et puis Lisa, très beau geste, très belle attaque de la centrale de Saint-Dié. Allez, on joue la même de l'autre côté. Et puis pareil, petite mésentente. Lisa qui était en retard. On voit encore une fois toute l'expérience d'Oumaima Kodial qui a déposé le ballon. Pourtant, Lisa avait pris l'option de la balle placée. Ouais. Toujours 2 points d'avance. Sol Piccolo au service. Ouais, belle réception de Lou. On renverse. Poste 6. Oh, y a Rémis qui se fait attraper en 1 contre 1 sur cette attaque en pipe. Ah, Rennes qui gère leur side out de la meilleure des manières. Très belle lecture du bloc. Ouais, pas cherché, pas trouvé d'angle là. 22-19. Allez, donc il va enchaîner. Oh, belle attaque, c'est défendu par les Naïg. Lisa sans faire de faute. Oui, j'ai bien peur. Alors là, c'est. Alors, la règle au volet dit qu'on n'a pas le droit de contrer la passeuse adverse. Après, ça dépend comment elle a positionné ses mains. Et c'est à l'appréciation de la. Si elle a mis les mains tout droit, normalement, on ne va pas voir sur cet angle de vue, mais si elle a mis les mains tout droit, il n'y a pas trop faute, mais elle a dû franchir. Elle a dû franchir et qui a été pénalisée par. Elle devait être au-dessus de la bande. Ouais. Allez, 23-19. Il faut essayer de se remettre dedans pour cette fin de set. On renverse. Lisa le pousse. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'elle lâche le bras, Lisa, là. Elle doit s'en vouloir. Elle a dû dire à Isola, donne-moi ça.
Je vais mettre tout le monde d'accord. Un très beau timing. On a un contre un. Ouais, elle avait pas mal de possibilités à l'attaque là. Largement au-dessus. Allez, 20-23. On souhaite une même fin de set que la semaine dernière contre Bordeaux. Oh, bien joué, bien joli service. Lou Meyer, très attentive, poste 4, sans faire de faute. Yes, 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 yes. Allez, l'espoir renaît dans cette fin de set. Voilà, sans faire de faute. Parfait, 21-23. Tout est encore possible. C'était long. Ouais. Alors c'était, elle a hésité. Elle a hésité entre la prendre à deux mains, en manchette à deux mains et elle s'en mêlait les pinceaux là. Ouais. Pourtant elle était bien placée. Elle la prend très basse. Ouais, le ballon, on voit qu'elle le prend limite en dessous des pouces. C'est bien servi hein, cette zone ça, là, entre deux. Ouais. C'est ça arrive pénible, au meilleur hein. Des moments. Ouais, en plus. Allez, le point là est important. 22-23. Ah, c'est bien posé. Oh là 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 là. Bien joué. Recette simple, belle recette, belle passe, belle attaque. Voilà, la RKT uruguayenne là, qui fait parler sa force de frappe. C'est pas, en plus, elle sort pas beaucoup du terrain. Ouais. Un ballon qui est un peu intérieur. Et ce qui offre une première balle de set pour les Hermines de Rennes. Oumayama au service. Allez, belle recette. Et allez, Lou. Ouais, Lou, débrouille-toi, c'est loin du terrain. Allez, le bloc défend en place. Allez, allez, allez. Bien, c'est soutenu par Yaremis. Zoïla. C'est pour nous, pour nous. Non, ouais, ça va revenir. Allez, faut se parler. Il ne faut pas se faire avoir. Oh. Encore une fois. Sol Piccolo, hein. Nouvelle défense de Niel. Allez, Lou Meyer. Ça touche. Ça touche. Ah, c'est bien joué. Alors là, on a vu. Première balle de 7. Magnifique des deux côtés. Alors on voit, elles vont reprendre un petit peu leurs esprits et leur souffle. Ouais. Allez, on revient 24-23. Et c'est un temps mort pris par l'entraîneur du REC. Une fin de set haletante, Janina. Ah oui, là. Ouais. Parce qu'ils avaient fait limite le plus dur juste avant les Rennaises. Et là, on se retrouve juste derrière. Il va falloir. Les loups ne se laissent pas abattre. Ouais. Ah oui, oui, oui. Des deux côtés. Hein. Ça se bat vraiment des deux côtés. Il va falloir aller le chercher. Celui-là. Ah, puis ça peut faire très mal au moral. Hein. Si Rennes se voit perdre ce set, ça peut faire très mal au mental. Allez, Zoïla La Rosa. Donc on allez. Postari, on va se retrouver avec trois attaquantes. Allez, on a cherché Sol Piccolo. Ah, la passeuse. C'est le terrain. L'Uruguayenne qui a trouvé la solution. Ah oui. Il a fallu la deuxième. Et c'est les Hermines du REC qui remportent cette deuxième manche. Sur le score de 25-23. Ah, belle remontée. Hein. On était, il me semble, à 14-7 hein, au milieu de la manche. Oui. Ouais, ça, il y avait ça exactement. À quelques points près, mais malheureusement, on a fait les efforts un peu tardivement et on a. En espérant que ça nous remette dedans nous. Pour le set suivant. Ouais. Que ça fasse terminer sur une note un peu plus positive. Un peu le c'est frustrant quand c'est si près du. Le scénario du premier set, mais avec inversion des équipes. Rennes qui a dominé tout le set, qui s'est vu un petit peu arriver trop vite et avec la remontée des Louves, mais qui a réussi sur une très belle attaque de Marie-Noël Ruba-Panduli, égalisé à une manche partout. Et comme nous sommes au deuxième set, nous avons la pause des 10 minutes. Qui va s'opérer et nous allons donc donner la parole à José avec deux représentantes de l'association de la Ligue contre le cancer. On va voir ça et écouter ça dans quelques instants. Allez, on écoute José. Le moment ce soir
aplatissement capillaire pour les gens qui sont malades ou autres. Voilà. Très bien. Et vous êtes situé au 34 rue des Indiers. Et donc ce soir, eh bien, partenaire du match, en plus une soirée spéciale par rapport donc, à Octobre Rose. Et donc là, effectivement, vous allez participer aussi à cette soirée. Voilà, c'était évident pour moi aujourd'hui d'être partenaire par rapport à tout ce qui se passe et soutenir Octobre Rose et Lilou. En tous les cas, merci. Et votre prénom, vous, c'est comment, madame ? Annie. Et vous travaillez ensemble ? Oui, moi, je suis responsable de la délégation des Audaciennes, de la Ligue contre le cancer. Ah ben, c'est génial. Alors ? Non, qui est aussi, qui vient d'Épinal, qui est dans la salle, donc qui est venu spécialement, il est là. Alors le président, venez par ici le président. Ah bah lui il est malin, il est allé chercher à manger. Hein. Non c'est bien, franchement on va faire une belle soirée et je connais la générosité donc, du public ici. Monsieur le président, bonsoir, votre prénom et votre nom c'est comment? Oui bonsoir, Jacques Schneider, président de la Ligue contre le cancer, comité des Vosges. Alors je vous promets que tout à l'heure on va faire un truc génial. Parce que pour l'avoir déjà fait, on sait qu'on a un public chaleureux. On sait que le public donc, qui va vraiment vous guetter ce soir. Et j'espère qu'on battra les records des autres années. Et en tous les cas, on est motivé pour le faire. Alors, madame qui vient de nous retrouver, venez par ici. On passe à la télé, regardez, avec un beau sourire. Bonsoir, madame. Votre prénom, votre prénom, votre nom Brigitte Romary. Et vous êtes la secrétaire générale du comité des Vosges de la Ligue contre le cancer. On a quasiment tout le monde ici, c'est bien. Le président, enfin voilà. En tous les cas, on va vous gâter tout à l'heure. Vous allez voir à l'issue du match. Hein, on va tout faire hein, pour essayer de vous remettre un joli chèque en fin de match. Et en tous les cas, nous sommes très très fiers et très heureux eh bien, de participer à cette soirée à l'occasion d'Octobre Rose qui nous tient vraiment à cœur. Et voilà donc déjà plusieurs années hein, que Pierre, avec les loups, avec les partenaires, les sponsors, participe donc à cet événement. Merci en tous les cas à vous. Et puis, tout à l'heure, vous mettrez l'ambiance pour faire monter les enchères. Hein. Je compte sur vous. D'accord ? Allez, on continue. On va se préparer à présenter la suite de l'événement, la suite de la soirée, dans quelques minutes. Merci. Voilà, vous l'avez vu avec donc la présentation de la partenaire du match avec le salon de coiffure Déodatif à Saint-Dié. Je crois que c'est la deuxième année hein, que le salon de coiffure... Oui, ça a démarré l'année dernière, le partenariat. Et donc là, c'est le partenaire mis en avant dans le magazine des Louves et partenaire qui offre aussi d'autres avantages aux licenciés du club. Donc, partenaire qui joue vraiment le jeu et qu'on est très content d'avoir avec nous. Malika qui s'est un petit peu spécialisée donc, sur les perruques et autres bandeaux. Alors c'est des choses qui arrivent avec les traitements contre le cancer pour, je dirais, rester féminine. Exactement, pour essayer de ne pas perdre son identité. Exactement. Je pense que c'est un réel sujet quand on est touché par cette maladie et qu'on a le traitement. Et les salons dans notre ville qui proposent cette prestation, je pense, sont assez rares. Donc, j'ai l'impression que c'est la seule. C'est peut-être même la seule et donc c'est très important de l'avoir. Pas un grand spécialiste des salons de coiffure, vous pensez bien. Ah bon ? Je comprends pas. Mais non, voilà. Donc on peut rendre hommage donc à ce partenaire du match avec Déodatif. Donc le match qui va reprendre dans quelques minutes. Alors j'en profite donc pour vous rappeler que vous êtes pratiquement 850 personnes à s'être déplacées au Palais Omnisports ce soir. Vous êtes une bonne centaine à également regarder le live en direct via le lien sur la page Facebook qui vous redirige sur notre chaîne YouTube. On va se retrouver également la semaine prochaine, Janina, car le prochain match arrive vite et c'est un nouveau match à domicile. Tout à fait. Et vous retrouverez, comme il se doit, à partir de vendredi soir, un nouvel épisode des Louves, la Web TV, où j'aurai l'honneur de recevoir cette semaine Christina Jordanska, accompagnée de Iva Davidovic pour aider à la traduction. Donc ça va être encore un réel plaisir de recevoir ces deux filles et de faire plus ample connaissance sur la recrue bulgare de cette saison en la personne de Christina. Top. Donc vous retrouverez à partir de 18h30 ce nouveau numéro des Louves, la Web TV.
Et donc le prochain match sera le 5 novembre. 5 novembre, et nous recevrons l'équipe de Clamart avec, il me semble, une ancienne louve dans l'effectif, en la personne de Sophie Rossard. Tout à fait. Qui était passeuse il y a deux ans. Ouais, ça sera un plaisir de la retrouver dans, ah oui, un grand dans cette salle du Palais Omnisport. Très sympa. Ah oui. Pareil, on a vu le dernier numéro des Louvres, la Web TV, avec la famille d'Iva Davidovic qui baigne dans le sport de haut niveau, elle volait. Et je pense que Sophie, c'est un petit peu la même chose entre son... Ah, dans le monde du volet, le nom Rossard est assez connu. Entre son frère et son cousin, c'est une famille qui baigne dans le volet depuis très très longtemps. Alors j'essaierai que ça soit elle qui vienne faire l'interview de fin de match. Ah ouais, un petit peu ses impressions de revenir à Saint-Dié-des-Vosges et au Palais Omnisport. Ouais, ça doit toujours faire quelque chose de rejouer dans un gymnase qu'on connaît. Hein. Mm. Bah, surtout celui-là qui a une fréquentation quand même. Ouais, puis elle avait laissé auprès des bénévoles et du club une très belle impression. Sophie, elle était vraiment, vraiment adorable. Donc vous retrouverez donc Sophie Rossard la semaine prochaine et vous retrouvez encore et toujours tous les petits rendez-vous cette semaine proposés et préparés par notre partenaire et prestataire Prestatech événement avec les highlights du lundi, les annonces de match et comme je vous le disais, le nouveau numéro des Louvres, la Web TV, vendredi prochain. Alors on voit l'image, les deux équipes qui se réchauffent. Alors par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je ne vois pas Iva Davidovic s'échauffer. Je pense qu'on va repartir sur un 6 de départ. Elle se serait blessée, tu penses ? Comme la fin du set, je sais pas. On va voir ça. Sur cette nouvelle partie de rencontre. Et on vous rappelle, à l'issue de ce match, donc vous retrouverez les interviews habituelles avec capitaine et joueuse. Pas de joueuse mise en avant cette semaine. Non, parce que c'est Octobre Rose comme qui est mis Octobre en avant. Rose, c'est le seul match où on fait l'impasse. C'est l'équipe qui est mise en avant avec leur tenue exceptionnelle. Exactement, ce soir. Et puis vraiment, sur les différents supports, notamment le magazine, on met vraiment en avant les actions Octobre Rose, les fonds qui ont été récoltés la saison précédente, les différentes affectations. Donc ça permet aussi de voir à quoi sert l'argent qui est récolté le après. Donc je vous invite à le consulter. Ouais. En ligne ou en physique au gymnase. On retrouvera Manu et une joueuse et l'entraîneur du Rennes. Et on verra bien la teneur des questions face à l'issue de cette rencontre. Oui. Car ça s'est vraiment bien équilibré. Et on repart 1-7 partout. Ivan n'est pas sur le terrain. Ouais. C'est Lou Meyer qui garde sa place. Alors je mets une pièce sur le fait que Zoïla serve poste 1. Poste 1, allez. Vous l'avez vu à l'écran, Manu, à moi. Une pièce. Ouais, je mets une pièce. Une grosse pièce. La grosse pièce, 2 euros, quoi. De 2 euros. Alors, je regarde un petit peu. Eh bien, en fait, les deux équipes, on a pris les mêmes et on recommence. Poste 1. J'ai gagné. Bravo, je te dois 2 euros. On ira à la buvette. On te doit tous 2 euros. Allez, c'est reparti. Non, je regardais la distribution du côté de Rennes avec Sarah Le Crosnier qui est revenue. Nous, de notre côté, Lou Meyer en poste de récep 4. On a vraiment pris les deux 6 de fin de set. Et on repart pour cette troisième manche. Ah, c'est bien, c'est défendu. C'était pas très franche comme attaque là de la part de Constance Plat. Ah, ça revient encore et toujours du côté de Rennes. Et Marie. Oh, que je dise pas de bêtises. C'est bien Marie Neveu qui fait des merveilles. Qui a une nouvelle fois trouvé le block-out. Et on va voir si on a série à suivre au service avec l'Uruguayenne. Marie-Noël Ruba prend du lit. Oh, ça sert fort. Hein. Et puis ça enchaîne en défense derrière. Ah, c'est dommage. Ça fait 2-3 fois que les ballons sont freinés, mais ça suit pas. C'est vrai. Ça suit pas. C'est dommage.
Il manque pas grand chose, c'est soit pour que ça retombe de notre côté ou après la poste 4 prend l'option de défense ligne. Ça sort. Ouais, ça sort, c'est dommage. Mais belle qualité de service hein, quand même. Service matché, c'est pas souvent qu'on voit du service matché en élite. Mais là, Il y en a de plus en plus quand même. J'ai l'impression qu'à chaque match, il y a au moins une. Ouais, il y en a une ou deux, ouais. Depuis le début de la saison, là. Ouais, on retrouve Lou Meyer au service. Service flottant. Ouais, ça enchaîne poste 4 sur Sol Piccolo, défendu par Laura. On repose le jeu du côté de Rennes. Attack pipe. Ça revient. Allez, Niel Ilgou qui va chercher fond de terrain. Sans grosses attentions. Et encore la une fois, même. On se fait avoir ouais, pratiquement le copier-coller de l'action précédente. Alors, qu'est-ce qui manque à ce bloc des Audaciens pour que le ballon passe de l'autre côté? Ouais, ou faut, pourtant, elle franchisse. Il faut un soutien au moins derrière. Mmh. Allez, c'est tenu par Laura. Zoïla qui enchaîne sur Niel. Et Niel qui trouve la solution entre Marie Neveu et Oumaya Makodial. Voilà, on arrive à finir les points. Voilà, on la voit prendre bien son élan en dehors du terrain. Là, elle saute pratiquement aux 3 mètres, mais elle a trouvé passer entre les mains du bloc. Égalité 3 partout. Encore une fois, on a cherché Sol Piccolo. On accélère avec. Ouais, c'était bien joué. Mayama, ouais, c'est propre. Encore une fois, la récep arrive pile poil. Sarah Le Crosnier à la distribution joue juste et c'est efficace là. Service flottant pour Marie Neveu. Ouais, bien, belle récep. Ça tombait. Niel. Bien joué Niel. Hein. C'est malin ça. Hein. Ouais, c'est. Puis elle est. Elle fait parler toute sa technique parce que c'est bien caché. Ça surprend vraiment tout le monde. Bon, là, les Sol Piccolo, il ne manquait pas grand chose pour passer, mais. Allez, c'est bien. Ça nous maintient un flow. 4 partout. On la voit à la réception, enchaîne en pipe. Rennes qui a gardé son niveau de jeu. Parce que là, ça n'attaque pas basket, ça attaque au centre. Ça fait vraiment trois zones d'attaque possibles pour les Hermines. Et c'est assez. C'est même trop efficace. Ouais, ouais. Pour l'instant, on n'a que Niel. Ça ramène beaucoup de ballons. On voit même sur en bloc défense, on arrive à vraiment contre-attaquer et à trouver les solutions. C'est le haut des mains de Lisa Lecouls qui lobe Lou Meyer poste 6. Allez, Sol Piccolo au service. Ouais, belle récepte de Laura. Attaque basket sur Lisa. Oh, c'est très rare qu'elle fasse ça. Oui, malheureusement, elle a cherché un petit peu trop d'angle là, Lisa. Elle a secoué la chaise de l'arbitre, je sais pas si t'as sans vouloir. Alors, je pense pas que ça soit volontaire de faire tomber le premier arbitre. Il faut faire attention. Non, c'était, elle a pas fait exprès, elle s'excuse. Oui, elle s'excuse. C'est la frustration, elle est la deuxième, voilà. Ça y est. J'aurais dû mettre une pièce une nouvelle fois sur le principe que Zoïla remette le ballon à Lisa, c'est vas-y, redonne-moi ça. Moi, je te paye en buvette. En soft, bien sûr. Bien évidemment. Allez, on retrouve Niel Elgoul au service. 2 points d'écart dans cette troisième manche. Bien ça. Oh, ça fait du bien, là, ce point. Ah, c'est une des rares erreurs de Marie-Noël Rubin-Panduli qui montre de très belles choses pour l'instant sur cette rencontre. Alors, on va resservir. Lénaïque Lemoine, c'est propre. On va pouvoir renverser. Voilà, c'est soutenu.
Là. Allez, va falloir jouer. Ouais, c'est bien. En plus, c'est assez déstabilisant d'en face. Ah non, ouais, c'est ça sort. Tombé du mauvais côté. Ouais, je crois que ça passe de notre côté du filet aussi. Ouais, je vais voir sur le ralenti, mais c'est passé. Ça va se confirmer. Ouais. Ah oui, ok, je la voyais de l'autre côté. Ouais. Allez, plus de pour les Hermines. Bien, Lou. Bien, super récepte. Allez, là, on peut jouer. Allez. Voilà. Bravo, Lisa. Ah, dès qu'on retrouve un petit peu de stabilité en réception, ça change. Ça facilite vraiment bien les choses. Alors, on a trouvé une spéciale le cool, ça, sur cette attaque basket. Ouais. Spécial le cool, c'est exactement. Ah, ils ont réussi à trouver des solutions. Ah, bien joué, Christina. C'est malin parce que tout le monde était pratiquement 3-4 mètres. Et ouais, c'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience. Au lieu de rame, voilà, on va voir sur ralenti, c'était 3-4. Et au lieu de rabattre ce ballon, le petit carré magique, poste 5. Bien joué, Christina. Égalité partout. 8. Et ça n'a pas marché cette fois-ci. Ah, bien joué. Très bien joué là sur attaque ligne là. Alors le changement de passeuse du côté de Rennes alors, a été vraiment très bénéfique. Parce qu'elle va chercher. Ouais, c'est vrai. Bon, ça passe pas une ligne franchement, mais elle est vraiment passée à côté du bloc. On retrouve Sarah Le Crosnier au service. Allez, attaque basket pour Christina, c'est défendu. On retrouve Marie Neveu qui a sur le coup. Ah, dommage. Ouais, c'est bien débrouillé, Yari, là. Bien joué. Passe un petit peu trop basse, mais elle a bien caché son jeu. Allez, 9 partout. Bien servi, on a changé de... Encore une fois, belle défense de Laura. Zoïla. Attaque sur Lénaï Lemoine. C'est ça. Et ça sort. Alors voilà, toute la hargne. Les cris d'encouragement de Zoïla La Rosa. Pareil, hein, très peu d'erreurs de la part de Marie Neveu. Allez, on reprend l'avantage. 10 à 9. On cherche encore l'Uruguayenne. Ah, bien suivi. Bonne lecture du jeu là de Laura. On fait enchaîner Lou. Et nouveau point de Lou Meyer, la locale de l'équipe. Notre Alsacienne. Ouais. Et Damerschwir, exactement. C'est vraiment un col de chez nous. C'est vrai. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris deux points d'avance. Oui. 11-9. Allez, encore une super défense de Laura Urios. Et Lou Meyer qui passe à côté du bloc. On rejoue. Attention, on passe. Belle passe. Ouais, on était dessus. Ouais, c'est très belle attaque de Yari là. Ah voilà, c'est bien. Il y avait Niel qui était un peu toute seule en solution offensive. Et là, on retrouve un bon niveau de la part de Yari à la pointe. Plus 3 pour les Louves et temps mort demandé par l'entraîneur de Rennes. Encore une fois, c'est un temps mort très, très porté sur sa passeuse, sur ses choix, à mon avis, ses choix de passe. On l'a vu tout à l'heure avec, oui, avec Louise Narbonne. Et là, c'est Sarah Le Crosnier qui a eu les consignes sur sa distribution.
Allez, petit break de fait dans cette deuxième manche, 12 à 9. Doucement mais sûrement. Bien servi. Ouais, bien servi. Ah, bien joué. Je ne l'avais pas vu parce qu'on retrouve Adriana Dartuis sur le terrain, hein, qui a fait un bel enchaînement récep attaque poste 2. Là, elle a trouvé pareil carré magique poste 5 au-dessus de Laura et on la retrouve au service. Allez, on va chercher poste 1. Ah, dommage, elle non franchie. Ah, ça passe pas, ça passe. Ah, c'était bien joué, mais. Ouais, non, Niel qui demande ballon touché, mais c'est. On va revoir ouais, sur ce replay, il manque pas grand chose. Ah, on pouvait penser que Constance Plal avait touché, mais. Il n'en est rien. Ouais. Allez, c'est pas grave, on va se débrouiller, il y a Rémis. Voilà, casse sur le coup, attaque grande diag. On enchaîne. C'est bloqué. Voilà. Bravo. Monster block. Zoïla. C'était Lou ou c'était Zoïla? Ouais, c'est non, c'était Lou. Lou et Christina. Lou, ouais. Ouais, c'est Lou qui. Allez, on retrouve l'Alsacienne au service. Sur Sol Piccolo. Ouais, bien suivi au bloc la part de Christina. Sol Piccolo. Grand Diac s'est défendu. Allez, on se bat. Voilà, bien. Bon réflexe sans faire de faute. Oui, c'est bon, on est là. Allez, la contre-attaque. Hop. Bidouille. Bidouille, mais c'est suivi. Christina. Oh là là, encore une fois, ça tombe au milieu de tout le monde. Alors, on va voir sur la rampe. C'est la passeuse qui fait. Ouais, alors je regarde si la passeuse est arrière, mais parce que elle a vraiment touché le ballon au-dessus de la ligne blanche, et je crois. Ou alors c'est pied au sol sur la règle exacte. Bon, bref, premier arbitre. Non, normalement. Je sais plus exactement la règle. C'est ça. Ah ben voilà. La justice est là. Je vais pas dire que c'est le karma, mais allez, on marque le point. On entend le public du POJC qui se réveille un petit peu. Normalement, si t'es au-dessus de la bande blanche, même si t'es pied au sol et que t'es arrière. Je sais pas. C'est pour ça, parce que ça, c'est des règles qui changent un peu. Je pense que ça doit être ça, parce que le premier arbitre aurait sifflé. Oui, sinon il aurait sifflé. Allez, on reste toujours à plus 2. Ça accélère, c'est ralenti. Encore une main qui traîne de Zoïla, c'est très bien. Allez, Yaremis, avec intelligence. Ouais. Allez, ça va revenir. Ça revient, enroulé. Voilà. On met en place. Et on accélère pour Niel. Ça va revenir. Ça revient, attention. Hein. Ouais. Ouh, là, c'est là. Mes ententes, elles là, très basse, mais c'est on bon, peut jouer. Bon. Elles l'ont vu ce ballon, parce que je crois que la poste 4 regarde la poste 1 en disant prends-la. Ouais. Alors, on va le voir. Ouais, balle placée. Là, c'est tombé en plein milieu. C'est pas le plus beau point de Niel, mais. À 15-12, ouais, 14-12, on le prend bien. Sans problème. Allez, on retrouve Christina au service. La belle réception d'Adriana Dartuis. Il y a la mire qui bouge là. Ouais. Ah, mais c'est de nous. Ah non. Alors. Oh là là, oh là là. Ouais, parce que le fil a bougé, mais. Alors, voilà, pas de panique. Le deuxième arbitre. Alors, on va voir il qu'est-ce qui se passe. Hein. Ouais, non, si, c'est la balle. C'est la balle qui c'est touche. C'est la balle, ouais. Alors, sur les images, on voit que c'est la balle. Mais ouais, monsieur Merck n'a pas hésité à aller voir son premier arbitre. Lui qui est placé juste devant. Levé de bouclier dans les tribunes. Les soutiens sont là en tout cas. Alors, la résultante de ce conciliabule.
À remettre. À remettre. Alors, je pense que le ballon a touché la mire et en même temps que les bras du bloc a touché la mire aussi. C'est pas évident. Oui, pas savoir, le challenge, c'est pour vous, public, mais ça n'a pas lieu d'arbitrage. Ouais, les arbitres n'y ont pas accès. Ouais. Ouais. Allez, c'est reparti. Bon, ben voilà. La justice a parlé, exactement. Ah, faut accepter les erreurs quand il y en a. Mais là, non, mais c'est une bonne décision de la part de l'arbitre de la permettre. Hein. Ouais. Oui, il n'y a pas photo. Allez, on repart. Lou Meyer en récep. On accélère pour Niel El Ghoul. Malheureusement, c'est touché le filet, dévié par le filet même. Ouais, exactement. Et les Rennais qui reviennent à un point. Ce sera bien malin qui dira qui va remporter cette manche. Parce que c'est le niveau un peu baissé des deux côtés. Ah, on a vu Lisa en fixe avant. Ouais, fixe avant pour une fois. Alors c'est peut-être ça qui a un peu surprise, mais elle a pareil encore une fois déposé ce ballon. On va voir. Le timing n'était pas parfait parce que Zoïla est un peu arrière, un peu loin du fil. Elle aurait pas pu faire une attaque franche là-dessus. Mais elle a réussi à trouver. On reprend deux points d'avance. Allez, Yaremis Mendaroleva au service. Ça enchaîne sur Sol Piccolo. Ah oui. Tous vu, ce n'est pas une faute de film, mais c'est un franchissement de pied de la part de Sarah Le Crosnier à la passe. Et au volet, ce sont les pieds qui jugent. On pourrait passer toutes les parties du corps et c'est les pieds qui font que on siffle faute ou non. Et là, on l'a bien vu sur nos écrans. 17-14 et c'est un temps mort demandé par l'entraîneur des Hermines de Rennes. Allez, c'est reparti. Petit break d'avance, toujours, encore et toujours pour les Louves. Ouais, ça renverse son Maïma. Oh, superbe bloc de Niel El Ghoul en 1-1 là. Sur cette attaque d'Oumaïma Kodial. Alors, je ne sais pas si on va voir un replay, mais c'était très bien joué. Très bonne lecture de jeu. Ouais, on va le voir là. Waouh. Bien joué, ouais. Pourtant, le ballon a failli revenir, mais ça suffit, ce monster block de Niel El Ghoul, plus 4. Bien servi, encore une fois. Allez, on renverse. Solution de facilité. Marie Neveu, sans faire de faute. On renverse. Attaque basket de Lisa. Allez, c'est ouais, freiné. Bien, Lou Meyer. On parle. Incroyable défense. Hein, là, faut que le point soit pour nous. Allez, on se met en plaque sur le secteur bloc def. Sol Piccolo. Ah, Sol Piccolo en 1-1. Ça peut faire. La passe était très rapide. Ça peut faire très mal. Ça a joué accéléré. Alors, on va voir sur le replay là. Ouais, parce que Lisa, pas le temps du tout d'y aller. Et on retrouve l'Argentine au service. Plus 3 toujours pour Saint-Dié. Allez, on va chercher encore une fois Lou. Duel au sommet. Bien, beau soutien de la part de Niel. Belle passe. Oh, bien joué ça. Alors, sans prise d'élan, sans rien. Lisa s'est muée en passeuse. Niel, pied au sol. On va sur le replay. Bon, elle a assuré le coup. Elle a joué fond de terrain. Bien joué de la part de Niel. Et on reste à plus 4. Ouais.
c'est pas flamboyant comme niveau de jeu, mais le boulot est fait, je vais dire. Hein. Exactement. Le boulot est fait. Ah, ça va, ah, pas se blesser, pas blesser les photographes. Ah, les attaques basket de part et d'autre du terrain, c'est assez efficace, hein, que ce soit du côté de Rennes ou du côté des Louvres. Allez, Maïma Codial au service. Belle réception de Niel, encore une fois. Louis, Lisa, pourquoi Louise ? Lisa. Elles se sont cognées en plus. Ouais, il y a eu un petit peu de... Ça a chu. Non, ça va, pas de bobo. Non. Un peu sauté, ouais, un petit peu d'épaule, ouais, un petit coup d'épaule de la part de Niel, mais sans gravité. Et c'est un temps mort demandé par Manu Dumortier. À 19-17 pour nous. Ouais, petite consigne pour bien entamer le money time de cette troisième manche. Ouais. Allez, on retrouve Oumaïma Kodial, sixième saison à Rennes, elle qui a évolué à Casablanca, également à Mougins et en Italie. Allez, Zoïla, poste 6, Yaremis lancé comme une fusée. Allez, Sol Piccolo qui trouve. Oh, bien joué. Hein. Ah, oui. Terrain. Ah, c'était très bien joué là. En c'est, 5. Et les Rennaises qui reviennent à moins 1 sur cette série. Il va falloir faire attention. Ah, belle récepte de Laura. Et Lisa Lecouls qui se fait contrer par Adriana Dartuis. Et égalisation dans peut-être cette troisième manche. 19 partout, ça nous fait, ça va nous faire une fin de set des plus. Encore bien. Ouais, ouais, encore bien serré. Ah, c'en est que mieux pour le spectacle. Oh là, Laura. Ça allez, peut c'est revenir, pas grave, ça revient. Revenir. Allez. Voilà, on essaye d'être assez agressif, même si c'est une manchette. Ouais. Marie Neveu. C'est pour nous. Ouais, qu'on a très on peu. On les a poussés à la faute. Ouais, Marie Neveu qu'on a très peu vu dans cette manche. Autant elle a eu. Elle avait le feu les sept précédents, autant là. Allez, moins un. Avec la sortie de Lisa Lecouls au service et retour sur le terrain d'Iva Davidovic. Ouais, petite consigne à Aniel pour savoir qui va aller en 6, qui va aller en 5 sur le bloc def. Bien servi. Bien servi, on va en 5. Bon, elle est passée par un trou de souris là. Ouais, là c'est la franco-brésilienne Adriana Dartuis. On va voir sur le replay. Parce que pourtant Zoïla et Christina, elles étaient bien dans le tempo. Ah, elle passe au-dessus de Zoïla, ouais. Elle passe au-dessus de Zoïla. Allez, 20 partout. Et on retrouve Louise Narbonne sur le terrain. Service flottant. Lou Meilleur à la récepte. Ouais, on va la faire enchaîner. Ah, elle se fait bloquer là par la paire Planevo. Ouais, c'était. Ouais, ils sont même limités à y aller à 3 à un moment donné, tellement c'était. Téléguidé, ah, et puis le soutien qui s'est mésentente derrière. Allez, plus 1, 21-20 pour Rennes. Et temps mort. Temps mort. Deuxième temps mort demandé par Manu Dumortier.
donne les derniers. On le sent un peu plus énervé là maintenant. Ouais, un petit peu plus tendu là sur. Quand tout se passe pas bien, c'est normal. Allez. Réception Niel. Allez, on joue 3 mètres en 1 sur Yari. C'est défendu. On va jouer sur Adriana Darty qui va pousser le ballon. Belle couverture de Niel Elgoul. Lou Meyer. Qui essaye de placer centre du son terrain. Tour. Passe de Lenaïg. Marie Neveu, encore une fois. Contre-attaque. Lou Meyer qui elle va chercher. Ouais. Lou des mains. Et le monster block qui fait du bien au bon moment, celui-là. On disait que Manu pouvait être un peu crispé. J'y suis un petit peu parce que 21 aussi. Partout, fin de set, c'est... Alors les points n'en sont que plus disputés, mais... Ça peut être le tournant du match. Bien servi, Zoïla. Allez, on fait enchaîner poste 2. Oh, Christy, super. Ouais, bien joué là. Avec la paire Meyer Jordanska. On va pas le voir sur le filet parce qu'elle avait réceptionné. Elle a contourné la passeuse, Adriana Darty. Et Adriana Darty qui laisse sa place avec le retour sur le terrain de Marie-Noëlle Ruba-Panduli. Elle qui aussi avait été fait un bon set précédent. Allez, Zoïla, on sert sur elle directement poste 1. On renverse poste 4. C'est défendu. Et Marie Neveu qui marque le point 22 partout. Ouais, c'est bien joué, hein. Christina qui était un petit peu en retard. Yari qui n'a pas voulu prendre le risque de prendre intérieur axe de force. Et on retrouve l'Uruguayenne au service matché. Ah, ça sort. Allez, c'est maintenant 23-22. Bien géré ce bloc def. Allez, on est sur une ligne de 3 attaquantes. Passeuse arrière du côté des Louves. Allez, ça va jouer sur Marie Neveu. Ah, on pouvait la voir celle-là. Alors, je ne sais pas si ça a été touché au bloc. C'est pour ça que j'aurais dit dehors. Alors, qu'il y a un nouveau changement du côté de Rennes. Ah, elle s'en veut. Ouais, elle voit que ça n'a pas été touché. Avec l'entrée sur le terrain de l'Ukrainienne Zoriana Tomchik. Au service. Allez, c'est tenu par Lou Meyer. On renverse sur... Il y a Rémis qui trouve la solution dans le ballon qui tombe entre le filet et Sol Piccolo. Et c'est une balle de match. Balle de 7, pardon. Balle de 7 pour les Louvres. Elle aurait pu la rejouer en plus, ça s'est tombé dans les jambes. Ouais. Et changement du côté des Louvres avec la rentrée habituelle au service, on va dire, de Maëlle Lefebvre. À la place de Christina Jordanska. Allez, tout le monde est debout pour encourager. Service de Maëlle, c'est tenu. On va enchaîner poste 4. Sol Piccolo qui fait la faute. Et les Louves qui remportent cette troisième manche et qui mènent dorénavant 2-7-1-1 dans ce match. Ça s'est beaucoup observé et regardé, j'ai l'impression, dans cette manche. Personne n'a pris le dessus. C'est très constant, je suis d'accord. Beaucoup plus de fautes aussi de part et d'autre. Ouais, on a senti ça s'est joué à pas grand chose. Physionomie totalement différente de la manche précédente où Rennes menait les débats avant de se faire peur. Mais là, il y a eu de nombreuses égalités. Alors, on va dire c'est déjà un point de prix, mais on en veut plus. On mène 2-7-1, beaucoup plus même. On fait durer le suspense, exactement. Ce n'est que mieux.
On va voir la réaction de part et d'autre. C'est ce qu'on va confirmer du côté de Saint-Dié. Réaction d'orgueil du côté des Hermines. Ah, ça nous annonce une quatrième manche des plus serrées. Ouais. Vous le voyez sur les images, hein. Je vous répète, plus de 850 personnes au Palais Omnisports pour le match Octobre Rose. Pour le match d'Octobre Rose, qui verra à la fin de la rencontre et des interviews la mise en vente du jeu de maillot offert par notre équipementier céramique de Gérard Armé, et également deux tableaux de la part de Mika et de sa compagne Delphine Cosset. Delphine Cosset, merci beaucoup. Jennifer. Deux œuvres qui ont été offertes à la ville de Saint-Dié pour l'occasion d'Octobre Rose, et on s'est dit que c'était sympa de mutualiser les ventes et de faire ça pendant le match des Louves. Et puis c'est très sympa de leur part de nous offrir ces deux peintures. C'est un très beau geste. Ouais. C'est reparti bientôt. Alors on va repartir, 6 de départ. On retrouve la capitaine Louise Narbonne à la distribution. Sol Piccolo, Marie-Noël Ruda Pondoli en R4, Lénaïg Lemoine, légendaire libéraux du REC. On rappelle 8e saison à Rennes de Lénaïg Lemoine, qui a évolué auparavant au VNVB de 2012 à 2014. Elle a également joué à Nantes saison 2011-2012 et à Istres de 2008 à 2011. Allez, c'est reparti. De notre côté, on retrouve Lou Meyer, Niel Elgoul, Zoïla à la passe et Yari à la pointe. Allez, Louise Narbonne au service. Christina à la passe. Laura Urius ne va pas attaquer. Bon, là, elle n'a pas... Ouais. Elle a pas hésité. Non, elle n'a pas hésité. Ouais, ça sert sur Niel, c'est tenu. On accélère sur Christina, c'est défendu. Ouais, bon placement hein, de la capitaine de Rennes sur ce point. On la fait enchaîner. Basket. Elle prend la responsabilité à la passe. Lou Meyer qui trouve les mains. C'est défendu, hein, bien joué. Allez, c'est freiné. Voilà, on est au soutien. C'est bien. Christina qui fait le tour du terrain. Ah là 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 là, Niel qui n'a pas pu être tranchante Pipe. Là-dessus. Pipe de Sol Piccolo. Ah, je pense qu'elle a fait une planche parfaite sur la ligne des 3 mètres. Ouais. J'ai regardé sa prise d'élan. C'était vraiment bien joué. Et 2-0 dans cette quatrième manche. Allez, on renverse 3 mètres en 1. Yari qui trouve les mains, c'est dévié. Allez, premier point pour les Louves dans ce set. Ouais, ça serait bien qu'on les voit un petit peu jouer, un petit peu plus libérés, les Louves, là. Les petites consignes de service de Manu à Zoïla. C'était le poste 1, Lénaïg Lemoine qui réceptionne. On renverse.
Ouais, nouveau point là de Marie-Noëlle Ruba-Pandeli. Ouais, elle fait un très bon match. Hein. Ah ouais, là. Encore une fois, je dis. Elle est incroyable. Hein. Je me permets un petit gabarit d'1m76, mais. Oui, oui, bah, on peut, c'est, hein, là, par rapport aux autres gars. C'est très solide sur la ligne arrière et devant, ça fait, ça fait le boulot. Et que dire du service ? Ce match. Eh ben, c'est dehors. C'est dehors. Et voilà. Voilà, tu as trouvé. Le point faible. Oh, on n'a pas loupé beaucoup. Hein. Non, elle n'en a pas loupé beaucoup. Et après, il y a, je pense qu'il y a une prise de risque, hein, sur sa zone de service. Ouais. Hein, là. Allez, Lou Meyer au service. Moins un pour les Louves. On les fait un petit peu reculer en récep, c'est pas mal. Marie Neveu qui se fait bloquer. Monster Block, Miel Elgoul, Christina. Alors, on va voir le ralenti. Je regardais les petits échanges de regards qu'il y a eu. Qu'il y a eu après. Ah non, ça va. T'as fait une analyse bonjour à Pauline. Comportementale. Ah non, mais vous savez très bien que le volley, c'est un sport où ça chambre, bah, ça chambre un petit peu. Faut le faire discrètement. Voilà. Tout bien, tout honneur. Allez, plus un toujours pour les Hermines. Petit tambour nettoyage de la part de nos Quick Moppers. Et on retrouve Constance Plat au service. Allez, c'est tenu par Laura Zoïla qui renverse. Il y a Rémis. Oh, magnifique. Pourtant, il y avait du monde en face avec le bloc, mais là, Yari a fait parler tout son talent. Ouais, parce qu'on voit Sol Piccolo qui était prête. Oumaïma Kodéal qui a suivi, elle est passée ligne. Ah, puis il y avait une faute de fil aussi. Ouais. Il y avait la totale. Allez, c'est bien, on égalise, 4 partout. Ouais, c'est tenu par Marie-Noël. Ça, ouh, bien joué. Oumaïma Kodéal là. Attaque vraiment déboîté l'épaule là sur cette attaque au centre pour trouver le poste 5. Pas évident, attaque basket, l'appel vers la droite et d'attaquer comme ça. Bien joué. Bien joué. Ça. Ah, dommage. Encore une fois, une des rares fautes de Marie Neveu au service. Après, c'est les consignes de service. Hein. Je pense qu'on on cherchait vraiment la zone de conflit entre Lou et Niel. Allez, attaque basket de Oumaïma Kodia. Qui a... Passé un peu à côté. Ouais, alors j'ai eu peur. Elle s'est pas blessée, ça va. Ouais. Et c'est ces petites erreurs qui nous permettent de rester à flot. On y elle avait suivi. Laura était bien placée sur sa ligne. C'est parfait. Ah, ça va jouer sur Sol Piccolo toute seule. Qui a trouvé les mains. Les mains de Zoïla. Différence de taille entre les deux joueuses. Ouais, elle essaye de freiner un peu ce ballon, Zoïla, mais la force de l'Argentine là, fait la différence. Ça sert très bien. Ah, c'est pas grave. Lisa a quand même réussi à faire cette deuxième touche de balle. Ouais, encore une fois, Marie-Noëlle Ruba-Pandeli qui fait des merveilles. Et les Hermines qui reprennent l'avantage 7-6. Elle cherchait la même zone. Mais... Ouais, elle cherchait ce poste 4, bas, poste 4 aux 3 mètres là. Pour embêter la R4 et l'empêcher d'enchaîner à l'attaque. Malheureusement, ça n'a pas suffi. 7 partout, Niel Elgoul au service. Allez, ça renverse sur Oumaïma Kodéal. C'est défendu, Yari, ça revient du côté de Rennes. On renverse, la même en couleur. Et là, c'est passé à côté de Lou Meyer. Ouais, Lisa Lecaux qui a été prise à contre-pied là.
pris l'option d'aller poste 4. Un bel récep de Niel. Lisa Lukulska enchaîne attaque ligne. Ah, oui. Ah, elle sort. Ah, elle sort, ouais, celle-là. On voit Oumaïma Kodiak avait pris les positions sur sa ligne en défense. On voit sur le replay, pied sur la ligne. Et c'est, ouais, c'est bien, bien à côté. Dommage. La ligne était ouverte pour elle. Et plus 2 pour Rennes. Allez, on prend la même. Mais cette fois-ci, le résultat est différent. Lisa marque son point. C'est bien de lui avoir redonné. Mmh. Bah, toujours pour... Allez, sur la poste 4. Ouais, ouais. Ouais. C'est grâce au service. Alors, autant on néglige pas sa détente, autant là c'était un petit peu trop haut. Là. À hauteur de mire. Allez, 9 partout. Ouh, c'est un peu dur ça. Ah, elle avait encore une fois réussi à rattraper ce ballon de très intérieur. Belle défense là, de Lénaïg Lemoine sur cette attaque de Yari. On joue poste 4, ça remonte une nouvelle fois. Poste... Ouh, que va dire l'arbitre? Elle est dedans. Ah pareil, elle doit être sur la ligne celle-là, cette attaque de l'Uruguayenne. On va voir sur le ralenti. Ouais, en plus bien aidé par le fil qu'il a... qui la freine et la fait dévier de son de sa trajectoire. 19. Louise Narbonne au service. C'est tenu par Niel, magnifique. On peut enchaîner. Bien, bien. Ouais, par Yari qui traverse à chaque fois la moitié du terrain. Alors il me semble qu'elle était en. Ouais, elle était en P5. Elle se déplace, elle enchaîne course d'élan. Ah, belle hauteur d'intervention là de la part de Yari. Allez, 10 partout, on retrouve la passeuse Zoïla La Rosa au service. On se retrouve avec 3 attaquantes au filet sur les 3 prochains postes. Allez, on continue sur un match des plus serrés là encore dans cette quatrième manche. Ça sert sur l'Uruguayenne qui on va faire enchaîner. Elle a réussi à passer ce ballon. Allez, Niel El Ghoul en 6. Malheureusement, ce n'est pas touché et c'est hors des limites du terrain. Allez, plus 1 pour les Hermines. Service match une nouvelle fois. Bien, c'est tenu par Lou Meyer. Yari, ouais, je sais pas du tout, c'est dommage, on n'arrive pas à conclure les points, là on fait faute sur faute, ouais. Et léger avantage, 12-10 pour le rec. Allez, c'est bien, c'est soutenu par Lou Meyer qui va enchaîner poste 2. Bien joué. Ouais, bien joué. Un petit peu de ping-pong dans les mains de Constance Pla, ce point. Ouais, t'es un peu surprise de l'avoir devant le visage. Allez, Lou Meyer au service. Ouais, ça sert sur sol piccolo. Wisnarbonne l'a fait enchaîner quand même. Elle a retardé son geste d'attaque là. Pas faire de faute. Et Yari qui trouve les mains. Bien joué. Avec intelligence. De l'Argentine, ouais. Sans frapper fort. Ouais,
et ce qui nous permet d'égaliser à 12 partout. Oh, bien servi. Ah, bien suivi par Laura Herriot. Ouais, c'est Constance Plain en 1 contre 1, mais le mur bulgare fait le job. Était là. Ouais, bien joué. Bien suivi de la part de Laura. Laura qui fait, c'est le rôle de libéro, un petit peu le joueur de l'ombre, mais encore une fois, elle doit rendre une belle copie au niveau des stats, Laura, ce soir. Le joueur de l'ombre, là, elle est dans la lumière, hein, parce qu'elle fait un très bon match. Elle est là. Allez, Sol Piccolo qui trouve la solution entre les deux. Pourtant, il y a du monde devant, il y a de la hauteur devant, mais on va voir sur le replay. Ouais, Christy qui attend un petit peu, elle passe à côté de Christina. Elles étaient dessus avec Niel. Nouvelle égalité dans cette quatrième manche. Ou bien servi. Alors ça, c'était du service flottant. Le ballon n'a pas bougé d'un cachou. Alors, il peut avoir un petit effet, mais là, au niveau de la frappe... Elle va faire le même. Ouais, on l'a vu là. Temps mort. Et temps mort demandé par Manu Dumortier. Ah, voilà, on entend un petit peu le public qui se réveille. Motivé par le président Pierre Mercier. Ça ne peut faire que du bien à nos joueuses. Il faut que les 850 personnes portent leur équipe préférée. Allez, 14-13. Allez, on enchaîne Niel, bien joué. Superbe. Allez, c'est aux joueuses de nous montrer le chemin. Ouais, belle attaque la ligne de Niel. Pourtant, Louise Narbonne était placée. 14 partout. Ça joue accéléré, belle défense. Ouh, Niel qui a pris le dessus là sur ce petit combat. Alors Zoe là, le meilleur à la passe. Niel qui trouve. Ouh, belle attaque de Niel là. La défense n'était pas non plus dégueu de la part de Léna Aiglemoine. Allez, c'est les deux points là, ça va permettre au public de se réveiller. S'enflammer un petit peu là, ça peut faire la différence à ce moment du match. Allez, Christy Jordanska au service. Ah là là, non, c'est pas le moment. Allez, c'est pas grave. 15 partout. Rien n'est fait. On l'a vu sur les manches précédentes. Adriana Dartuy au service. Ouais, c'était bien joué ça. Pourtant, les deux contreuses avaient bien suivi. Niel, on accélère Niel, qui trouve les mains de Maïma Kodial. Lénègue Lemoine au service. Ouais, c'est Piccolo qui trouve la solution. Ouais, je crois qu'elle passe entre les mains de Lisa là. Pourtant, Lisa le cool, c'est Yaremis Mendaro au bloc, ça ne doit pas passer. Allez, un petit peu plus de réussite, de confiance là. Allez. Allez, Yari qui se fait contrer par Sol Piccolo. Là, elle a cherché un peu à passer au-dessus. Mais il y a de la taille en face. Mini break de fait pour les Rennaises.
Il ne faut pas trop que l'écart se creuse. Hein. Non. On va prendre peur là. Allez. On va bien accélérer là pour Niel qui se fait contrer. Allez, on rejoue encore une fois. Allez, c'est bien, on soutient derrière. Ça peut la mettre en confiance pour lâcher le bras. Sol Piccolo qui a essayé de déposer ce ballon et qui n'a pas réussi. Allez, on revient à moins 1. Allez, Yari. C'est tenu en réception. On va jouer sur Sol Piccolo. Défendu. Ouh, le petit passe réflexe de Lisa. Et Nick Lemoine à la relance. On va jouer attaque basket. Ah là. Contré par Niel, mais la balle va dans la mire. C'était beau, c'était ça, gros. Allez, 18-16. Allez, c'est maintenant les Louvres qu'il faut se réveiller, proposer quelque chose. Marque les points là que sur les erreurs de notre adversaire, ouais, c'est pas nous qui c'est pas nous qui tenons le jeu. Voilà. C'est des points comme ça qu'il nous faut là. Très bien, Lisa Lecoulx. Allez, elle va suivre les chefs de file de l'attaque des Audaciennes. Ah, c'est bien joué. Allez, encore un. Allez, on gère ce bloc def. Allez, c'est contré par Zoïla. De nouveau sur l'Uruguayenne. Défense de Laura Arios. Enquête sur lui. Allez, Lou. Ouais, belle angle d'attaque. Mais c'était bien couvert là par la libéro. Ouais, alors là, il y a eu le choix de Zoïla de doter ses mains au dernier moment. Mais l'Uruguayenne, il lui en fallait pas tant. Et malheureusement, il y a Lini, elle qui est en couverture poste 1. Ouais, le ballon est arrivé un petit peu trop vite. Alors c'est des choix comme ça, si on semble persuadé qu'on va se faire jouer les mains, on les retire et c'est gagnant. Mais là, ça lui a permis de déhancher Wolfie. Il est doué. Allez, faut pas plus de points de retard là, à ce moment du match. Ouais, c'était limite avec la ligne de côté. Et nouveau point de Lisa. Ah, Lisa, je la trouve un petit peu esselée là, l'attaque au niveau des points. Allez, avec un changement du côté des Louves, rentrée sur le terrain d'Iva à la place de Zoïla. Alors ça, c'est clairement pour augmenter la hauteur au bloc. Ouais, 18-19, service de Lisa sur l'Uruguayenne de Rennes. En poste 4. Ah, elle s'est retrouvée toute seule en 1 contre 1. Malheureusement, Iva qui va tout de suite être remplacée par Zoïla à la distribution. Ouais, en 1 contre 1. Maria-Noël Rubin-Pandoli, il lui en faut pas plus. Et nouveau point pour elle. Louise Narbonne au service. Allez, Zoïla qui retourne pour Yaremis et qui trouve les mains de l'air 4 adverse, mais ça part sur le banc des remplaçantes. Allez, Zoïla à la passe. Au service. À la passe aussi après. Oui, oui. Ah, j'ai pas totalement fou. Ah, bien servi. On cherche toujours la même, mais à chaque fois, c'est plateau sur plateau qu'elle nous fait, elle. Hein. C'était dehors, mais c'était défendu par Zoïla. Niel qui veut trouver la solution. Ah, bien joué, là. Elle a
petit mouvement d'épaule, on va le voir sur le replay là pour aller chercher le poste 5. C'est bien joué. Bien joué. On ne pensait pas qu'elle tomberait là. 20 partout. Et c'est un temps mort demandé par l'entraîneur de Rennes. Ah, ça nous annonce une fin de set là. Showtime. Ouais, showtime. Hein, parce que. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que le public se réveille. Donc ça fait du bien, même moi là ça me. Faut que ça galvanise. Galvanise tout ça, c'est impeccable. Ouais. C'est pas perdu de toute façon. Ah non. Loin de là. Ah, si le public peut amener quelque chose, c'est maintenant. 20 partout, money time. Bien servi. Ah, bien servi sur le Nike, ça revient. Ah là 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 là, Mlou qui se fait jouer les mains. Plusieurs fois là. Un petit ajustement de franchissement là au niveau des mains, ça serait bien parce qu'on s'est beaucoup fait avoir en block-out. Ah, pourtant elle met bien la main gauche, mais un petit peu trop tard. Allez, service matché. Plateau parfait de Laura. Plateau de Laura. Allez, il y a Rémi, saute dessus. Ah, qui... ah bah, c'est bien. C'est ça. C'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Mais... c'est bon. Ah, et puis on va retrouver l'Uruguayenne sur les postes arrière. Donc elle peut amener quelque chose en recette, mais on va voir qui va prendre le relais à l'attaque devant. 21 partout. On va retrouver Sol Piccolo. Allez, Lou Meyer. Bien servi. On va la faire enchaîner. Oh, il y a Rémi, 5 contre 1. Ah, celui-là, il fait du bien. Il fait énormément de bien, ce bloc. Ouais, on voit Christina un peu en retard, mais Yari qui a bien suivi. Allez, plus un. Allez, jusqu'au bout. Ah bah non. Temps mort ? Temps mort, ouais, de la part de Monsieur Chubillot. Ah, faut tout donner, là, au niveau du public, de José, le speaker. Ah ouais, c'est bien. Ça va ? Ah, vous l'entendez, le public s'est réveillé. Espérons que ça porte les joueuses dans cette fin de set. Ah, bien servi encore une fois Lou Meyer. On va jouer poste 6. Ouh, belle défense de Lou. Ça revient, ça revient. Allez, Zola, Niel, avec toute l'intelligence qu'on lui connaît, c'est défendu. On renverse sur Olivia Dartu, Adriana Dartu. Allez, Lena Higa la passe pour Sol Piccolo. Allez, Christina la passe. Niel, allez, va faire le boulot. Ça va revenir encore une fois. Sol Piccolo, alors un ballon très difficile à jouer parce que ça vient de derrière. Très belle défense. Il y a Rémi un peu loin. Ah, elle rejoue. Christina, poste 5. Oui. Elle est bonne. Waouh. Alors là, c'est deux... la deuxième du match qu'elle nous fait comme ça. C'est deux points venus d'ailleurs, mais qui, au moment-là, font énormément de bien. On se retrouve à plus de fin de set. Ah non, ouais, non, c'est bien, bien dedans. Allez, on garde ses esprits. On s'enflamme pas, il y a déjà des gens debout. Lou Meyer qui fait sa série, plus 2. Allez, encore sur les Nike, c'est tenu. On va renverser sur Adriana. Ah, encore une fois. Ah, c'est dommage parce que je crois pas que ça soit touché au bloc en plus. Et c'est la petite main de... Ah, on va voir sur le replay, mais...
Lou qui prend. Ah, ça passe au-dessus et ah malheureux. Allez, c'est pas grave. Side out là. On le gère ce side out. On se retrouve à quoi? On est trois attaquantes. Ouais, c'est pas grave. Allez, Yari, t'es très loin. On assure le coup. Allez, ça va poste 6. Oh là là, c'est magnifique. Elle nous fait un récital, l'Uruguayenne, ce soir. Elle est partout. Ligne avant, ligne arrière, elle est omniprésente et d'une efficacité incroyable. Allez, temps mort. Demandé par Manu Dumortier. 23 partout. On a une fin de set. Incroyable. Pourtant, elles étaient à 3 au bloc sur elle, mais non, elle a réussi à passer. Allez, on va essayer de rester lucide avec tout ça. Parce que ça s'est terminé, les deux derniers sets étaient 25-23, il me semble. Hein. Ça s'est joué à 2 points à chaque fois, là. Donc, Alors, va-t-on avoir un cinquième set ou une victoire bonifiée? On va voir ça. Moi, j'ai mon souhait. Moi aussi. Ouais, c'est tenu par Laura. Allez, on accélère sur Niel. Oh là, Niel. Bon, ça. Alors, excusez-nous du parti pris, mais... Oui, bon. Allez, on voit le public qui est debout. On voit le replay. Ça a joué très, très rapidement. Hein, Zoïla, elle envoie... Niel qui se retrouve 1 contre 1. Ça passe entre le poste 6, poste 5. Allez. Le contre du match est à faire maintenant. Maëlle Lefebvre au service. Sol Piccolo en récep. Elle met dehors les seules erreurs du match. Une des seules erreurs du match de l'Uruguayenne. Sur la première balle de match. 3, eh ben dis donc, 3-1, c'est bon, un, un gros soulagement parce que ça nous a mis la misère tout le long et on redonne le... Ouais, sur, bon, c'était en demi-teinte, on pouvait ne pas y croire et là c'est... Ah oui, c'était pas dire quoi. Mal embarqué, mais je voyais... Ouais. On a... Bah c'est peut-être le premier de la saison. Donc on a des Julie qui est pas là, qui récep 4 son expérience et tout. Ouais. Alors je ne sais pas j'ai vu le match contre Bordeaux. On est un peu revenu pas de nulle part, mais on a fait une fin de match. Ben à l'image de celui-là, sans trop de solutions, à attendre peut-être trop attendre la faute des autres et. Et Dieu sait que Rennes n'en a pas fait beaucoup pour ce match parce que moi je les ai trouvés un peu au-dessus mais beaucoup... cette balle sortie fond de terrain c'est la première Beaucoup plus stable et tout mais à la place de Marianoela Ruba Pandoli ça peut être frustrant parce qu'elle a fait vraiment un gros match. Et sur la première. 2-1-25. Voilà, on voit 25-18, 25-23, 23-25 et tout ça. La pression n'est pas la même. Ça se joue à pas grand chose. Et voilà, on peut. Alors, peut-être aussi le public en fin de match qui a porté les ouvres parce qu'on était tombé dans un faux rythme, une sorte de frustration, crispation et tout. On s'est laissé prendre dans le faux rythme de jeu et. Et on n'arrivait pas. Merci à José d'avoir remotivé. Ouais, il a réussi à remotiver tout ça, etc. Donc c'est bien. C'est victoire 3-1, 3 points, victoire bonifiée. Il y a des fois, ça se joue à pas grand chose et on prend ça, quoi. C'est magnifique. Et puis en plus, en cette occasion d'Octobre Rose, avec l'événement qui suit, là, c'est. On a eu droit à notre dose de suspense. Voilà, notre dose de suspense. Exactement, exactement. Mais une belle finalité avec la victoire. Ouais, ça c'est chaque set, on voit à partir du deuxième set, ça s'est joué à pas grand chose. Mais ça s'est joué. La pièce est tombée à chaque fois du bon côté. Alors, je crois, on va voir parce qu'on va faire une petite photo. Alors, je ne sais pas si tu veux aller la faire ou pas.
Il faut qu'on... Une photo. Ou une photo de l'équipe avec les maillots et le maillot de Julie aussi. Allez, les amis, également, faites attention. On va aller faire... ouais. Je peux m'extirper pour les photos ou... Ouais, où je regardais, on a monsieur Arthur Jeannin qui est là. Oui, je le vois. Donc je pense que ça peut être bien. Voilà, il va faire la photo et puis on lui demandera de nous la donner. Il me l'envoie, ne t'inquiète pas. Très prochainement, et la donner à notre ami Thierry M. Voilà, puis on voit le staff à l'image et le petit clin d'œil à Julie en attendant que le coach de l'équipe des Hermines du REC Yann Chubillo nous donne ses premières impressions. Et après, on fera. Ah voilà, on a des très beaux sourires pour cette photo. Impeccable. Allez, on écoute le coach du REC. Un peu déception quand même. Ah, c'est pas le coach, c'est le capitaine, Louise Narbonne. Beaucoup de déception, ouais. Alors attendez, on va prendre ce micro-là. Voilà, c'est mieux, excusez-nous. Il est allumé, c'est bon ? Voilà, un peu déception, bien évidemment. Mais comment vous avez vécu ce match sur le terrain ? Bah, je pense qu'on l'a tous vécu très intensément. Il y avait une belle ambiance dans la salle et c'était vraiment agréable de jouer après beaucoup de déceptions parce qu'on était venu pour gagner. Et voilà. Que pensez-vous du public ici à Saint-Dié ? Les supporters. Super, ouais. Très respectueux et bonne ambiance, c'était bien. Bonne ambiance. Voilà. Et puis le fait également que notre capitaine Julie Molinger n'a pas joué ce soir, est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Est-ce que vous avez fait une stratégie par rapport à ça ou non ? Non, pas forcément, parce qu'elle n'avait pas forcément tout joué sur les matchs d'avant. Donc on a pris les matchs et voilà, on a fait la stratégie par rapport à ça. Très bien. Et vous, Louise, par rapport à vos objectifs personnels, comment vous voyez un peu votre avenir, votre futur par rapport soit au sport, soit au niveau professionnel ? Juste dans le sport, déjà à court terme, être en play-off cette année, voilà, notre objectif. Bon, en tous les cas, moi j'étais impressionné par votre équipe, hein, je les salue d'ailleurs. Là, j'ai vu des points marqués par votre équipe, vraiment superbe. Bravo les filles. Et d'ailleurs, on va de nouveau les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Toute l'équipe de Narbonne, elles sont battues vraiment comme des déesses, c'est superbe. Merci, merci, merci mesdemoiselles. Merci mesdames. Bon, merci Louise. Merci, on va appeler votre coach, Yann. Yann, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors comment est-ce que vous avez vécu ce match, vous, ce soir ? Je veux dire que je l'ai aussi vécu intensément, en essayant de prendre du recul pour avoir la lecture la plus lucide possible sur la gestion du match. Je suis excessivement déçu, notamment par rapport à nos joueuses qui livrent une belle bataille ce soir. On est face à de grosses difficultés d'organisation. On essaye de trouver des alternatives pour essayer de performer, donc on n'y arrive pas. C'est un petit peu notre gros souci. Pour autant, on va quand même s'appuyer sur ce qu'on a pu produire ce soir, parce que malgré tout, il y a eu des choses positives. Ça joue sur quelques détails. Sur le troisième, quatrième set, perte de deux points, forcément, ça joue sur pas grand-chose. Il faut qu'on conserve notre densité, notre volonté et notre engagement pour essayer d'avoir des jours meilleurs. En tous les cas, moi j'ai vu une équipe qui était combative ce soir. Ça s'est pas joué à grand-chose, hein, à quelques points. Et franchement, c'était méritant également pour vous, pour vos joueuses. Vraiment superbe. Merci Yann. Bonne continuation à vous en tous les cas. Et puis bonne chance pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci de l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. On aime bien, nous. Voilà, notre coach Emmanuel. Allez. Ah, belle image, là, l'équipe avec le roll-up de Julie. Heureux, Manu, hein. Ah, super. Bon, Manu, quelques mots sur le match. Je t'ai vu là-bas, ton cœur est palpité. J'étais là, je t'entendais ton cœur battre comme ça, là. Oui, et on avait
prévenu les filles que Rennes était une équipe de talent et que si leur talent se réveillait, ça serait très compliqué. J'avais dit avant le début de la rencontre, je l'ai dit entre 2 et 3. On a su rétablir l'équilibre de service récepte. On a été dominé au deuxième. Mais si Rennes continue à ce niveau-là, elles seront en play-off. Si nous, on continue à ce niveau-là, on sera en play-off aussi. Oui, tu as déclaré en début de semaine que Rennes était une équipe de qualité et il sera difficile certainement de la battre. Hein. On a vu ce soir, ça s'est joué quand même à quelques sets, hein, c'est bien. À quelques points, voilà. Point. Et on est très souvent derrière au score. Jusque 20-22, on est derrière au score. Donc, ce qui me plaît ce soir, c'est que nos filles ont fait preuve de beaucoup de force mentale, parce que c'est la première fois qu'on est autant secoué, on va dire, et donc on a su résister, c'est une très bonne chose. Ah ben, moi, je peux te dire que tous les supporters n'ont plus de voix, là. C'est clair et net. Et d'ailleurs, bon, c'est pareil, je demandais à Adrien de me mettre en vacances là, pendant une semaine minimum. Là. On les a bien entendus, leur support est plus qu'important. Dans les moments difficiles, on sait que le public peut être là pour nous permettre de nous surpasser. Et ce soir, il a rempli son rôle de septième homme parfaitement. Merci coach, merci beaucoup. Et on va retrouver donc l'équipe sympa. Alors, il y a... Bon alors, eh ben ouais, comme il n'y a pas de joueuse mise en avant cette semaine, ça sera pour Julie. Un petit message pour notre capitaine qui est absente ce soir. Elle a fait une opération donc dernièrement. On lui souhaite bon rétablissement. On lui dit reviens vite parce qu'on a besoin de toi. On t'aime beaucoup. Courage Julie. Ben, il est peut-être temps toi. Et pour Julie, bip bip. Hubipip! Hubipip! C'est génial! Allez, on va récupérer le micro et maintenant donc on va commencer aux choses sérieuses là. Et ben voilà, c'est très bien, c'est un beau, belle image de fin de voir toute l'équipe et ben, mise à l'honneur pour ce match d'Octobre Rose. Malheureusement, pour faire un petit clin d'œil pour la grande absente de ce soir, Julie Mollinger, que encore une fois on embrasse et on lui souhaite un prompt rétablissement. Je suis persuadé qu'on va la revoir très très vite parmi nous. C'était un bon match. Alors je suis vraiment surpris du niveau de Rennes que je ne voyais pas suite à leur classement, etc. Et c'est, ça reflète pas leur place et je rejoins toute la frustration de la capitaine et du coach à la fin de la rencontre parce que je pense qu'elle mérite un meilleur classement. Et quand ça joue à quelques points comme ça, bah malheureusement, c'est la loi du sport. Les prochains rendez-vous, donc, ça arrive très vite avec le prochain match donc, des Louvres qui sera à domicile samedi prochain, le 5 novembre, horaire comme d'habitude à partir de 19h. Et ce sera face à Clamart. Je glisse un petit mot pour le prochain match de la régionale garçon qui sera le 19 novembre à Yutz-Thionville. On va vite rendre l'antenne pour passer à la vente des maillots et des deux différents tableaux que l'on voit à l'image. Merci beaucoup, Gianina, de m'avoir encore une fois accompagné pour ce commentaire. C'est toujours un réel plaisir. Encore une fois et toujours un grand merci à l'équipe de Prestatech Événements avec Adrien et Johanna réalisation, Dan aux lumières, Cédric au jeu de lumière, également Pierre-Yves à la vidéo. On vous donne rendez-vous à bientôt. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bon week-end à vous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et cette année, on espère, avec la soirée de ce soir, passer les 20 000 euros pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et je pense que si on arrive à faire ça, ce sera réellement une belle chose pour cette maladie. On est en train de chercher le bouton, mais ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc Octobre Rose. C'est relancé à Saint-Dié-des-Vosges. Les Louves y participent énormément. Elles ont participé à la marche pour certaines. La marche, c'était des coureurs. Cette année, on a refait deux courses. On a refait une marche populaire avec 650 personnes. Donc tout le monde a participé. Et l'an prochain, on s'est donné comme objectif 2000 coureurs. Et ce soir, l'objectif, c'est que chaque t-shirt parte au moins à 300 euros. On va être optimiste, il faut, mais c'est pour une bonne cause. Voilà, je vous remercie et bonne continuation de soirée. Ah ben écoutez, on va essayer, monsieur le maire, on va essayer en tous les cas. Bien, mes chers amis,
On va commencer cette vente aux enchères, non pas avec les maillots, mais avec ces deux tableaux. Pierre, on va les montrer au public, réalisés par Mika et par sa conjointe Delphine Cosset. Deux tableaux vraiment très sympas, réalisés spécialement pour la soirée. Le premier, Pierre, c'est lequel on met en vente? Le premier? Lequel? Bon, on va commencer par avec Galanterie par les femmes. On va démarrer par celui de Delphine Cosset. Alors, celui-ci, c'est lequel? C'est celui-ci. C'est celui que présente Monsieur le maire. Ah, Monsieur le maire, auriez-vous la gentillesse de le montrer au public par là-bas et par là-bas, puisque c'est un tableau qui est organisé par Delphine Cosset pour cette soirée spécialement. Et la mise en vente, écoutez bien, est de 60 euros. Voilà, 60 euros le tableau. Alors, c'est pas compliqué. Pierre, tu vas regarder par là-bas, moi je vais regarder par ici. Et à un moment donné, on va lancer la vente de l'enchère. Et lorsqu'on dira stop, celui ou celle qui aura donné le maximum d'argent pourra remporter, pour commencer, ces tableaux et ensuite les maillots des filles. Are you ready? Yeah. Hey, faut quand même pas dormir maintenant, hein. Là, allez, on commence par ce tableau. Voilà. 60 euros. Qui porte le titre de Mon ange doré de Delphine Cosset. 60 euros, qui veut à 60 euros? C'est parti, si ça vous intéresse, vous levez la main, sinon on continue. 60 euros par ici, monsieur. J'ai un 60 euros par ici, pour monsieur. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. 60 euros ici, est-ce qu'on a 60 euros là-bas à gauche? On a 70 euros là-bas, 70 monsieur. Allez, 70, qui dit mieux? 70, une fois, 70. Un magnifique tableau, Mon ange doré, valorisé à 195 euros, normalement le prix. 80, monsieur. 80. Allez, 80 par ici. 80. C'est un tableau qui est estimé à plus de 150 euros quand même. Hein. 195 euros. 190 euros, Pierre. Alors, j'ai un 80 par ici. 80, une fois. 90. 100. Vous montez à 100, monsieur. Vous montez à 100, monsieur. 100 euros. 100 euros par ici. 100. 110 à attention. Droite, ça y est, c'est parti, ça chauffe. 120 par là-bas, 120. Monsieur, vous, 120. 120, c'est pour vous, oui, vous. Allez, 120. 130, 140, 150. 120, une fois. 130, allez, 130. 130 par ici, 130, 130. 130, une fois. 130, deux fois. 130, trois fois. Adjugez-moi du bon monsieur. Ayez la gentillesse de descendre, s'il vous plaît. Vous pouvez venir nous rejoindre. Monsieur le maire va se faire un plaisir de vous remettre votre cadeau. Voilà. Allez voir Pierre. On va prendre vos coordonnées. On va prendre tout ceci. Bravo! Il a fait une bonne affaire, du coup. Allez, mesdames, messieurs, applaudissements chaleureux. Je vous rappelle que tout cet argent ira pour donc, la lutte contre le cancer. Octobre rose. Deuxième tableau. Alors, tableau réalisé par Mika. Il est estimé à 250 euros, ce tableau. Mise à prix, 60 euros. Pierre, on peut le montrer, s'il te plaît? Allez, 60 euros. Qui nous donne 60 euros? 60, là-bas au fond. Allez, 80, on va monter. 80, 80, madame? 80, 90? 10, 100? 100, 110? 150 là-bas, 150, 140, 140, 140, qui dit mieux? 150, 150, 180, 180, non, 150, 150, 150, une fois, combien? 160, allez, 160 pour madame là-bas, 160 une fois, 170, 180, 180, 170 une fois. 170. Monsieur là-bas au fond, 190, ça vous va? Allez, 190 au fond, là-haut, tout là-haut, tout là-haut. 190, une fois. 190, deux fois. 190, trois fois. Tu gères. Ah, pop, 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 ça a levé là. Excusez-moi, c'est ma faute. 200. Ça vous va? 200. 200. 200, une fois. 200, deux fois. 220. 220, une fois, 220, deux fois, 220, trois fois. As-tu j'ai vendu mon monsieur là-bas au fond? Applaudissements, s'il vous plaît.
Allez, soyez félicitations prudents. Félicitations pour ce tableau. Demain, j'arrête de Mika. Un magnifique tableau. On remercie le couple de Mika et Delphine pour ce magnifique cadeau. C'est moi qui me vends. Allez, notre gagnant arrive. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Allez, pour 220, mesdames, messieurs, applaudissements, argent intégralement reversé à la fondation, c'est superbe. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Oh ben, par quel maillot on commence, José? On va commencer par le maillot numéro 1, par hasard. Notre Julie, qui n'est pas ici, nous a laissé son maillot qui nous est apporté par Maëlle. Bah Maëlle, reste avec nous. Voilà, reste avec nous, tu vas représenter notre capitaine. Bon, mes amis, le maillot de la capitaine. Le maillot de Julie. Le maillot de Julie, numéro 1. 60 euros, c'est la mise au départ de tous les maillots. Alors attention, on débute. Qui veut le maillot numéro 1, le maillot de Julie? 60 euros. 60. Toi? T'as de l'argent, toi? Allez, 60 euros. Allez, là-bas au fond, 60 euros. 70, 80. Qui nous donne 80, s'il vous plaît? 80 euros. 80 là-bas au fond. Au-dessus, tout au-dessus, 80. 90. 90. Allez, on est à 100. 100. 100. 100 là-haut. 100. 110. 110, je veux 110. 110. 120 à droite, j'ai 120 à droite, José. 120, allez, 150. Qui me donne 150 pour le maillot de la capitaine? Allez, 150. 150. Derrière toi, José. 150 là-bas. Allez, 160 à droite là-bas. Allez, 160. Qui me donne 180? 180 pour monsieur. 180. Attention, 190, qui dit mieux? 190 pour monsieur. Qui me donne 200? 200. 200. Qui me donne 200 euros pour le numéro 1, s'il vous plaît? 200 euros. 200, là-bas 200, 200, 250, qui me donne 250, 250, 250, 250 pour monsieur, qui me donne 300, 300 pour le numéro 1, le numéro, la capitaine, 300, allez, qui me donne 300, 300, 300, 300, allez, 300, 300. Pour allez, 300, oui, 300, 300, attention, 300 pour le maillot de la capitaine numéro 1, Julie, 300, une fois, 300, 350 ? Allez, 350, 350, 350 ! Par ici, 350. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? 350, une fois. 350, deux fois. 350, trois fois ! Bien joué ! Bravo, 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 bravo ! Eh, superbe ! Monsieur, attention en descendant. Hein. Allez, venez par ici. 350, le maillot de Julie. C'est génial. Allez, et puis pour 350 euros, en plus, on a droit à la bise de Maëlle. La chance qu'il a. Non, mais la chance qu'il a. Bon, alors attention. Merci, monsieur Antoneka. Numéro 2. Alors, Julie travaille à la mission locale. Et ce maillot, je vais le donner en tant que président de la mission locale à Stéphane Gauthier, qui doit être dans le coin, ou qui est parti, qui va revenir, pour qu'il le garde et qu'il le mette en symbole à la mission locale. Et voilà. C'est génial. Bravo, 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 bravo pour cette belle initiative. Bon, Pierre, numéro 2. Allez, numéro 2. On appelle ici avec nous Iva. Iva. Ah, voilà, Iva. Sous vos meilleurs applaudissements, le maillot d'Iva, le voici, numéro 2. Le elle maillot de match de Iva. Bon. Il sent encore la transpiration. Et il coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Ah, c'est plus lourd. Ça coûte plus cher au poids. Tu m'étonnes. 60 euros. On commence toujours. 60 euros. Qui me donne 60 euros? Allez, 60 par ici. 60. 80. 80 là-bas. 100. Allez, bien joué. 100 par là-bas. 100. Qui dit mieux? 150. On monte. Oui, 150. Eh oui, on va pas rigoler. On va passer la nuit. Hein. 150. 150 une fois. 150. 100, là-haut, là-bas 180 180. Allez, 180, j'accepte. 180, une fois. 100. 200.
Oh là 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 là, 200 par ici. 240. Allez, 240 par ici, 240 par ici, qui dit mieux? 240, 240 une fois. 240, 240 deux fois. 240 adjugé. Trois fois. 240, eh bien. Allez, 240. Rassure-toi, il y a encore des maillots achetés, rassure-toi. Il y en a encore, il y en a encore. Aïe, 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 my God. Et voilà, comme ça, on sait bien où il va passer son permis de conduire. À l'auto-école Carole. Bravo, madame, superbe. Très, voilà. Très bien. Numéro 13. Bravo. Bravo. Monsieur Pierre. Pierre. Oui, numéro, José. Numéro 13. Non, il n'y a pas de numéro 13. Numéro 4. Quattro. Quattro. Ben, quattro, allons-y. Et quattro, il s'agit de Christina. Christina. Viens par là. Viens, Christina, viens. Alors, le maillot numéro 4, celui de Christina. Eh bien, c'est parti. Qui me donne 60 euros pour commencer? 60 euros. Allez, 60 euros pour Christina, le maillot de Christina. On arrive là-bas, 60 euros au fond, là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Allez. Attention, 60. C'est le maillot le plus grand. Ah ben, c'est le maillot le plus grand, celui de Christina. Alors, je vais me mettre là. 80. 80. Allez, 80. 80, par ici, qui donne mieux que 80? 80. 100, ça te va? 100. Allez, 100. 150. 150. 150 par ici, 150. On monte, on monte pas. Tu montes, tu montes pas. Ok. 150, 150, 150, 150. 150. Une fois. 150. Deux fois. Est-ce qu'il y a... Je vois pas. Je vois pas que le filet. Y a personne là, c'est bon. 150 une fois, 150 deux fois, 150 trois fois. Allez, adjugé. 150 euros pour le maillot de Christina. Bien joué, monsieur. Venez par ici. Génial. Alors, est-ce qu'il y a le numéro 5? Pierre, il y a le numéro 5? Bravo, monsieur. Très, très bien. Allez, le numéro 6, José. Le numéro 6, c'est le maillot de... Yarémis. Numéro 6, superbe.